Toujours un plaisir de le retrouver au Mercronspi, notre bon Maxime Laprise, comment ça va? Ça va bien, puis vous, toi? Ben, moi, ça va impeccable. Je suis, je mentirais pas que je l'ai souvent mentionné, mais l'histoire, c'est quelque chose qui me touche depuis mon tout jeune âge. Et on retourne, en plus, ce soir, dans une époque assez particulière. Hein? C'est une époque qui est souvent vue, ils appellent ça les âges sombres. Dark Ages, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. Hein, non, la meilleure façon de faire fâcher, parce que juste si vous me connaissez pas, je suis doctorant en histoire médiévale. Et la meilleure façon de faire fâcher un médiéviste, évidemment, c'est de ramener le cliché du Moyen-Âge sombre et obscur. Ben oui, que toute la sagesse est passée dans les pays plus Moyen-Orient. Ben, ce qui est pas faux, que c'est vrai que la culture, on doit beaucoup à la culture arabo-musulmane. Officiel. Mais ça veut pas dire qu'on était dans la grande obscurité. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il est fréquent que dans la culture populaire, parce que, tu sais, vous avez sans doute appris à l'école que notre société était un peu issue de la société ancienne, de l'antiquité gréco-romaine. Oui. T'sais, souvent, dans les cours d'histoire au niveau secondaire, t'sais, on met beaucoup d'accent sur l'histoire de Rome et de la Grèce. Oui. On va passer super rapidement sur le Moyen-Âge. Puis là, oui. C'est la Renaissance, puis c'est le retour de l'Antiquité. À partir de là, ça va bien. Là. C'est ça. Oui. En fait, notre société est profondément tributaire du Moyen-Âge en termes d'institutions, de culture et de droit. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Notamment le droit dans lequel on vit ici, c'est-à-dire la common law, donc le droit anglais, est un pur produit du Moyen-Âge. Oh boy, hein? Contrairement, par exemple, au droit français qu'on classifie généralement dans ce qu'on appelle le droit romain ou romano-civiliste. Ah ouais, hein? Civiliste. Romano-civiliste. OK. J'aurais pensé qu'il y a comme clean sweep, guillotine, un petit peu tout ça, mais ça. Au contraire, c'est la Révolution française qui a mis fin au droit médiéval en France. Pour ramener Révolution... ce qu'il y avait avant. C'est inspiré de ce qu'il y avait avant. Voilà. C'est l'esprit. Après ça, ils ont. C'est toujours pratique en histoire de t'inscrire dans la tradition ancienne pour te donner de la légitimité. Ouais, je comprends. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire comment, et je vais en parler, comment le mouvement des citoyens souverains se sont appropriés un document qui a été signé en 1215 en Angleterre, puis en ont fait une sorte de bible, alors qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Là, c'est pas du tout ce qu'ils en disent. Quelle surprise! Puis, il est très fréquent que les citoyens souverains se revendiquent de la Magna Carta. On les voit un peu. Si vous écoutez des, oui. Si vous écoutez des citoyens souverains, ils vont à un moment donné plugger la Magna Carta. Magna Carta, sans oui. Expliquer, là. Donc, je veux dire, ça, c'est dans Magna Carta. Puis, ils passent à autre chose. Puis, c'est un mot que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu. C'est Magna Carta. C'est ouais. Comme E égale MC2 dans c'est un ça. Film de science des années généralement, 80. C'est la Magna Carta puis la Constitution américaine. Oui, voilà. Les deux vont ensemble. Ben oui, c'est pour ça qu'on a le deuxième et le premier amendement américain ici au Canada. Avant de te laisser continuer, il y a Doom Barry, notre cher Doom Barry, qui demande est-ce qu'on va parler de common law pur? Oui. Oh ben tabarnak. Ben, c'est le temps d'aller chercher ma pipa. On peut y aller. Oui, je vais faire plus de mise en contexte avec le... On vous souhaite donc un très bon N'hésitez très pas bon si vous show. Avez des questions. Oui, ça va être archivé sur le YouTube de Douteux. Merci beaucoup d'être avec nous, mais tu ris, Daniel Marois, mais un de mes directeurs, Didier Méhu, qui est prof à l'Université Laval, avance la thèse que le Moyen-Âge se termine au Québec en 1950. En tout cas, c'est une thèse qui avance. Okay, je ne rentrerai pas là-dedans plus avant. Ouais, je comprends l'électrification. Puis le... Ouais, je comprends. Bon, ben là-dessus, oui, bonne soirée. Merci d'être là. Alors, j'ai deux exemples pour un peu lancer la patente. On est ici à droite. Je vais commencer à droite pour commenter. Quelqu'un que vous avez peut-être vu actif si vous êtes sur Twitter. Je l'ai bloqué récemment, lui. Qui est très sa sauce. Qui est donc un citoyen souverain. Et vous constaterez que son nom... sur Twitter, c'est Magna Carta, article 61.
Parce que oui, les souverains sont obsédés par la Magna Carta, mais sont particulièrement obsédés par l'article 61 de la Magna Carta, puis je vais y revenir. J'aime ça. Est-ce qu'on peut savoir un ordre de dimension? Il y a combien d'articles? 63. OK, fait que c'est comme l'avant-dernier qui est... Oui, c'est ce qu'on appelle la clause de sécurité, mais je vais tout vous présenter parfait, ça. Parfait, parfait. À gauche, ça vient de 2021, en Écosse. On a ici 20 protestataires qui ont essayé d'aller saisir le château d'Édimbourg au nom de la common law. Donc, c'est des citoyens souverains qui disaient et qui se revendiquaient « Taking back to Castle under » au nom de l'article 61 de la Magna Carta, revendiquaient qu'ils pouvaient s'approprier ce château en Écosse, à Édimbourg. Ben oui. Parce qu'ils étaient en révolte contre leur seigneur et ils avaient le droit de reprendre le château. Parce que comme on avait dit la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était mon château, mon choix, ou mon baron, mon choix. Oui. Il me semble qu'il y avait la gang aussi en... Baron. En Allemagne, il y en avait un autre qui avait essayé de se faire passer pour un espèce de tsar ou de... Ça se peut. Ouais. En tout cas, c'est très pertinent. J'aime ça à date. On passe au prochain. Oui. Liberté et responsabilité individuelle avant tout. Droit économique. La citoyenneté est un privilège et n'a pas de race. Je ne juge que par les actions. Oui. Et là, je voulais pas faire un historique des citoyens souverains. Ça pourrait être un sujet intéressant éventuellement. Officiel, mais c'est un peu William Porter Gale, qui est un Américain, qui est considéré comme le fondateur du mouvement des citoyens souverains. À la base, ça s'appelait surtout les Freemen on the Land. C'est un petit peu la genèse aux States qui s'appelait comme ça. On a traduit, c'est un petit peu admis là, que c'est citoyens souverains. Ben, il y a des articles Wikipédia distincts pour les deux mouvements, mais tu vois que ça se recoupe vraiment beaucoup. Là. Okay. L'un des principaux fondateurs des citoyens souverains, lui, il avait parti à une affaire qui avait appelé ça les Posse Comitatus, qui étaient des petites gangs de milices, toujours blancs, qui considéraient que la loi n'existait plus. En tout cas, je vais y revenir, puis que c'est des milices qui faisait régner la peur, parce qu'eux autres, il y avait la vraie loi. Puis, tu sais, tous les gens qui se déclarent là, shérifs constitutionnels, c'est juste tout ce mouvement-là, des Posse Comitatus. On devient de l'exécutif, puis on décide aussi c'est quoi ça. Le législatif. Là. Ouais. Donc, bien que juif, c'est aussi un violent antisémite, un violent anticommuniste et un christo-fasciste. Donc, c'est généralement, c'est des affaires qui viennent ensemble. Les quatre derniers, là, peut-être le premier... Un juif antisémite, on lui souhaite d'être le moins souvent ça possible. Non, effectivement. c'est ça, il encourage la formation de milices armées, je l'ai dit, là, c'est les Posse Comitatus. Donc, lui, sa particularité, au-delà d'être... Il n'a pas inventé toutes les idées qu'il met de l'avant, mais ça a été un peu le premier à vraiment les synthétiser, puis les mettre ensemble, puis les systématiser. Et pour donner un lustre à ses idées, il s'appuie essentiellement sur deux grands documents qui sont la Magna Carta et la Constitution américaine, mais une vision tronquée. Hein? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on sait comment les citoyens souverains vont interpréter une virgule. Cette virgule-là, ça veut dire que moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. C'est ça. Donc, c'est une vision magique de la loi. Puis, ils font de l'exégèse de la loi. L'exégèse biblique, c'est notamment, ça existe encore aujourd'hui, mais par exemple au Moyen-Âge, c'était les gens qui interprétaient et souvent qui surinterprétaient la Bible. Alors ça renvoie à telle espèce de message caché. Ouais. Ils font ça avec la loi. Avec la loi. Donc, ils considèrent que, et je vais y revenir, que ils considèrent que la Magna Carta donne le droit à la révolte. Et pour lui, et ça c'est important, ces documents émanent comme la Bible, parce qu'en fait il cite trois documents, qui est la Bible, la Constitution américaine, puis la Magna Carta, fondent des droits naturels qu'il qualifie de common law. Et là, ça c'est important, parce que quand un citoyen souverain, et Pierre pourrait le dire, malheureusement il ne pouvait pas être là ce soir, mais Pierre pourrait mieux expliquer ce qu'est la Magna Carta, la common law que moi, mais... Quand vous entendez un souverain parler de common law, il ne veut pas dire ce qu'on entend généralement par la common law. Et là, il va y avoir beaucoup de lectures ce soir. Et ce qu'on considère aujourd'hui comme la common law, c'est ce qui est à droite. C'est un texte du ministère de la Justice du Canada. Je te laisse le lire. Ça a l'air un petit peu plus officiel. Ouais. Hein? La common law est un droit qui n'est pas écrit.
La common law est devenue avec le temps un ensemble de règles fondées sur des précédents, c'est-à-dire de règles qui guident les juges appelés plus tard à prendre des décisions dans des causes semblables. On ne trouve la common law dans aucun code ou corps de loi. Elle n'existe que dans les décisions antérieures. Mais elle est en même temps souple et s'adapte à l'évolution des circonstances, car les juges peuvent établir de nouvelles doctrines ou changer les précédentes. Donc, le principe de la common law, et on va le voir, et qui est un pur produit du Moyen Âge, c'est l'idée que je vais le tourner comme ça, là, je ne connais pas les bons termes parfaits, je ne suis pas avocat, mais que chaque décision d'un juge a une portée sur les autres jugements qui pourraient venir par la suite. Okay. Donc, le juge ne va pas se référer à un code comme en France, dire « bon, ben ça c'est la loi, ça c'est le nombre d'années de prison que tu as », puis il y a quelque chose qui est plus serré, qui est inscrit justement dans un code bien précis. Okay. Alors que dans l'idée de la common law, c'est l'idée de la jurisprudence. C'est-à-dire que moi, je vais aller chercher d'autres jugements qui ont été faits dans ce cadre-là, et ces jugements-là, je dois partir de ces jugements-là pour moi-même. Pour des délits similaires, ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce que les autres juges ont dit? C'est pour ça qu'ici, des fois, okay, les jugements de la Cour suprême, ils font 65 pages, ou plus que ça. C'est parce que tu as tout un travail de recherche des autres décisions, puis même parfois au Canada, ils vont chercher leurs décisions même dans d'autres pays qui utilisent la common law aussi. Ils vont aller chercher. T'sais, par exemple, il y a des décisions. Il y a une décision sur les citoyens souverains en Alberta par l'équivalent de la Cour supérieure. La Cour d'appel en Alberta sur les citoyens souverains. Okay. Le juge en a profité pour faire une espèce de comment agir quand vous avez un citoyen souverain dans votre salle. Dans votre cour. Oh wow, hein? Puis ce jugement-là a été repris un peu par des juges de common law un peu partout dans le monde. Oh wow, hein? Cool. Donc c'est ça. Donc c'est l'idée que c'est les jugements, la jurisprudence a une force de loi avec évidemment la loi qui est adoptée par le Parlement. Ouais. Mais les deux viennent ensemble. Ce qui serait pas, il y a pas la question de la jurisprudence dans le droit romano-civiliste comme on a en France. Ok, je comprends. Mais quand les citoyens souverains utilisent le mot common law, pour eux, ça veut dire une loi naturelle octroyée par Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une loi qui est commune dans le sens de commun, là, ce qui veut dire c'est une loi qui s'applique à tout le monde sans distinction. Et cette loi-là, donnée par Dieu, vient s'exprimer dans les documents, la Bible, la Constitution puis la Magna Carta. OK. Donc, ils ont une conception complètement inversée, et on va le voir dans la vidéo suivante, wow, de ce qu'est la common law. J'aime ça. Puis là, on en vient, et ça, t'en as souvent parlé, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, selon les citoyens souverains, la common law aurait été abandonnée au profit de la loi maritime. Hein, c'est l'idée que avant le 19e ou le 20e siècle, il y avait la common law pure. Puis, à un moment donné, les États-Unis sont devenus une corporation, et là, c'est la loi maritime qui en est venue à s'appliquer. Ouais, voilà. Puis eux, ils veulent revenir à la common law, mais leur idée qu'ils se font de la common law. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, on peut passer au prochain, vous allez l'aimer. Je disais que, en fait, c'est les grands principes qu'on vient de résumer, et les jurys en common law pure, vont utiliser ces trois grands principes fondateurs qui vont les guider. Mais un jury en common law pure, d'homme et femme vivant, a totale liberté. Il n'y a pas aucune entrave à part ces trois grands principes directeurs. Même un jury en common law pure, il n'y a même pas d'entrave là, au niveau. Il n'y a même pas la jurisprudence, ça ne le concerne pas parce que en common law pure, la jurisprudence n'existe pas parce que chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Puis le jury a totale liberté pour juger chaque cas différemment, sans référer à de la jurisprudence, sans référer aux chartes, aux constitutions, sans référer à aucun acte et aucune référence il légale. Il vient de dire exactement le contraire de ce que tu as dit. Et liberté avec les grands principes de la common law pure qu'on a exposés. Donc, un jury en common law pure ne peut pas se faire censurer. Parce que dans le système légal, présentement, on peut censurer l'accès à la preuve au jury. Donc, on peut dire le jury, il ne verra pas telle preuve, il ne verra pas telle autre preuve, il ne va jamais avoir cette preuve-là.
Mais encore là, pour peu, il n'y a pas de censure. Le jury accède à 100% de la preuve. C'est impossible de le censurer encore là, pour peu. Le jury peut avoir accès à tout. Mais dans le système légal, c'est ça qui est possible. Mais ça, c'est déjà un très grand avantage majeur. Et aussi, en commun là, pour pur, celui qui initie une procédure homme ou femme vivant, parce qu'en commun là, pour pur, c'est tous les hommes ou femmes vivants qui peuvent initier un procès en commun là, pour pur. C'est chacun de vous qui peut décider demain une fois. Hey! Vous, ben, c'est pas mal de même. C'est bien la commun là, pour pur. Chacun de vous, vous pouvez créer des documents pour créer un procès en commun là, pour pur, en utilisant les grands. On va vous exposer, partager toute l'information, là, les documents, que, ouais, comment procéder. Il va y avoir un mouvement planétaire. Son nom, c'est l'homme vivant avec autorité suprême sur Amoury. Mais c'est sûr que quand t'es mort, ça va mal initier une procédure. Mais on voit que sa compréhension de ce qu'est la common law est complètement à l'inverse de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, le principe de la common law, c'est qu'elle s'appuie sur la jurisprudence. Oui, sur le passé. Puis parce que ce qui fait que c'est un droit évolutif. C'est pas un droit qui est figé. Vu qu'à chaque décision, chaque juge apporte... On rajoute une petite brique à l'édifice. Puis une brique de compréhension de la loi aussi. Mais lui, c'est comme, non, il n'y a pas de jurisprudence. Puis comme... Donc, c'était juste pour souligner à quel point les souverains sont à côté ailleurs, de la traque, là, à ce niveau-là. Là, c'est tabarnak, c'est weird. Et là, on rentre dans l'histoire pour l'histoire, parce que pour expliquer de quelle façon les citoyens souverains en sont venus à chirer sur la Magna Carta, on est obligé de faire de l'histoire. Tant mieux! Et, du contexte politique et légal dans lequel se trouve l'Europe à ce moment-là. Et donc, ça implique qu'il faut parler de féodalité. Et bateau, là, on a nos deux empires romains ici. Exactement. On a ici l'Empire romain, en fait, les deux parties de l'Empire romain en 395. On se rappelle évidemment que l'Empire était au moment de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, donc ce qui est à votre gauche, en 476. Excusez, j'ai été perturbé. L'Empire avait été divisé en deux, hein, donc il y avait deux empereurs. Et donc en 476, donc c'est compliqué, hein, l'idée d'effondrement de l'Empire romain. Là, ça s'est pas passé d'un jour à l'autre. Là, ça a été un long processus, puis ça s'est continué après cette date-là. C'est ce qu'on enseigne à l'école parce que c'est plus simple, là, mais c'est le jour où le dernier empereur romain d'Occident a été déposé et dont les insignes ont été renvoyés à l'empereur d'Orient, puis c'est ce qu'on généralement considère comme la fin de l'Empire romain d'Occident. On peut continuer? C'est fou pareil que ce soit celui d'Orient qui a étoffé plus longtemps. Je sais pas ce il a étoffé jusqu'à 1453. C'est ça. Ça, j'ai aucune idée, c'est quoi? C'est pas moi, ça. Ça, c'est moi. Parfait. Désolé, après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, les peuples qui étaient sur place, des peuples germaniques, là, je n'entrerai pas dans le débat sur la question des invasions barbares, là, c'est un autre sujet, mais nécessairement, on a l'effondrement d'un empire centralisé et l'effondrement de l'État entraîne la formation d'une multitude de petits royaumes avec des peuples divers qui occupent l'espace. Hein. Donc, on a, voyez au nord, le royaume des Francs, les Burgondes, les Ostrogoths en Italie, les Visigoths en Espagne, les Vandales dans le nord de l'Afrique, les Scandinaves qui n'ont jamais... de toute façon été trop touché par l'Empire romain. On a les Pictes et les Bretons sur l'île britannique. Donc, on formait une multitude de petits royaumes. Vous verrez que, par exemple, royaume franc est au pluriel. Donc, on a une multitude de petits royaumes qui se sont formés avec... mais ce qui est important de noter, c'est l'effondrement d'un pouvoir central. Une multitude de petits royaumes. On peut passer au prochain. Ouais, c'est vrai que c'est important, Nasty, là. Ça existe, les Burgondes. Wow. Je m'aurais pas appelé de même. Burgondes, il me semble que ça sonne pas. Ils ont donné leur nom à la Bourgogne. Ah, ouais, OK. Donc,
il va y avoir des tentatives de progressivement, des tentatives un peu éparses de reconstruction d'empire ou de royaume. Hein. On a ici l'exemple de l'empire franc, qu'on appelle l'empire carolingien, donc l'empire fondé, un peu personnifié par Charlemagne. Donc, en tout ce qui est en vert de toutes les couleurs, les verts de toutes les couleurs représentent un peu ce qu'a ressemble l'empire carolingien en 814 à la mort de Charlemagne. Chris, il y a scoré big, hein, par exemple? Oui, il y a scoré big, donc ça va de Rome au sud-est, mettons, jusqu'à la Saxe au nord et jusqu'à ben, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne, le nord de l'Espagne aujourd'hui. Mais là, il n'a jamais réussi à complètement prendre la Bretagne, mais de toute façon, ça va être à gauche. Là, ouais. Mais ça va être super long avant que les royaumes francs soient capables de reprendre la Bretagne. J'ai entendu dire qu'il y avait de la misère aussi, Jules César, là, parce qu'il y avait un druide avec de la potion magique. Exactement. Puis, donc, il va y avoir des tentatives comme ça de fonder des royaumes, mais il y aura un problème qui sera que ben, ces royaumes-là vont en venir à s'effondrer. Tu peux passer à la... là, ici, on a l'Empire carolingien déjà en 880 parce qu'on a l'usage à l'époque. Tu sais, on se fait souvent l'idée que les rois transmettent le royaume à l'un de leurs fils. Genre, ouais, ouais, que c'est le roi est mort, vive le roi. Là, ça change oui, rien sauf dans que les c'est faits. Pas ça à l'époque. Okay. Jusqu'à, mettons... Ça va mettons jusqu'au 11e siècle, la tradition, c'est de séparer ce que tu as entre tes fils. Ah. Donc, à la mort de Charlemagne, tu te retrouves donc avec 5 royaumes. Comme ça, mais... Me semble que ça encourage la chicane, ça. Ça encourage la chicane. OK, c'est bon. Donc, tu auras une série de guerres civiles. Tu auras des royaumes qui vont systématiquement se partitionner et se repartitionner. Tu auras beaucoup. Mais là où je veux en venir, c'est que ça va mener à une situation chaotique. L'absence d'une autorité centrale. Ouais. Et tu peux passer à la prochaine diapo. Et rajoute à tout ça, donc, des problèmes, un chaos institutionnel avec des royaumes qui... des royaumes qui déclinent, qui se partitionnent, et on a au 9e et 10e siècle une multitude d'attaques qui met en danger la sécurité de l'Europe, je veux le tourner comme ça. L'espèce de bloc là, qui pensait un petit peu compact, il y a du monde qui arrive de l'extérieur. Ben, c'est surtout au sud, on a des raids par les arabo-musulmans qui ont pris l'Espagne. Ah oui, tu n'avais parlé oui, de ça exactement. Dans un autre. Donc, ils font souvent histoire. Des pillages dans le sud-ouest de ce qui est aujourd'hui. Je vais dire les noms de pays, mais notez que... Prie. Non, mais c'est important pour moi de noter que, quand je veux dire la France n'existe pas à c'est cette ça, époque-là. Donc, dans le sud-ouest de la France, on a les Scandinaves, donc les Vikings, qui, à la même période, pillent en Angleterre, dans le nord de la France, vont se rendre jusqu'à Paris. Donc, qui cause beaucoup de problèmes. À l'est, on a aussi des peuplades qui font de la pression. On l'a pas vraiment sur la carte ici, mais qui font de la pression en Europe de l'Est. On a aussi des raids de pirates dans la Méditerranée. Donc, c'est une situation où un déclin d'une autorité centrale et un sentiment d'insécurité avec une multitude, et mettons que, je vais donner l'exemple, mettons, imaginez que demain matin, l'État québécois s'effondre. Le Canadien et québécois s'effondrent. Bon, il y aurait probablement une coupe d'émeutes, mais il reste qu'à un moment donné, le monde a besoin de se nourrir, a besoin de quelque chose. Ouais, ouais, il y aurait une stabilité qui reviendrait. Veut pas, mais quelle serait cette forme de stabilité-là qui s'installerait? On va le voir dans le cadre de l'Europe médiévale, c'est que c'est des chefs de guerre qui ont dit, ben, moi, je vous offre la sécurité, puis vous me donnez une partie de vos récoltes. Donc, je vais avoir un château, je vais vous offrir la sécurité avec mon armée, mais vous restez autour puis vous me donnez une partie de vos récoltes. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un des fondements de la féodalité. On continue. OK, hein? ça veut dire que les Vikings et d'autres ont provoqué... L'instabilité, comme a été réglée, a provoqué un système de gouvernement. Ça existait, c'est peut-être une manière de revenir aux cités là, du temps de l'Antiquité un petit peu, ça ressemble-tu à ça? Je sais pas, mais oui, mais tu vas avoir effectivement dans ce système-là des cités-États, ce qu'on appelle des principautés. Des affaires centrales. Oui, oui, tout à fait, parce que en absence d'État national, là, mettons, ben tu t'organises au niveau local. Pas le choix, faut manger. Puis qui va gérer, ben c'est le plus fort. On s'en va au clip? Oui. À tout de même, il était... Pardon? Non, je vais me mettre sur pause 2 secondes. Bien sûr.
Ça vient du... Je vais passer 2-3 sketchs de ces émissions-là. C'est un truc, c'est sur YouTube, c'est accessible sur YouTube. Ça s'appelle Confession d'histoire. C'est probablement de l'excellente histoire. Quand j'enseigne, je le présente à mes étudiants et étudiantes. Mais c'est aussi, c'est fait, l'humour fait un peu Kaamelott, mais c'est fait sous comme, tu sais, dans les télé-réalités, là, les... Il y a tout le temps comme des entrevues face là, pour les gens qui participent à la télé-réalité. Ouais, je comprends. Ben, elle va dans le confessionnal. Oui, c'est ça, mais avec des personnages historiques. Et là, on a ici Aliénor d'Aquitaine, qui est une grande femme du Moyen-Âge, qui va vous expliquer la féodalité. On peut y aller. Let's go. Ah, tout de même, il était temps qu'on donne la parole à une femme dans votre truc. Et avec moi, vous tenez une bonne cliente, parce que j'en ai plein des choses à vous raconter. Ah. Non, mais on s'en fout de ça, c'est moi qui cause là. Alors voilà, moi je me présente. À la base, je suis duchesse d'Aquitaine, et ça, c'est pas rien. L'Aquitaine, ça va des Pyrénées à la Loire, de l'Atlantique à l'Auvergne, de Bordeaux à Poitiers, de la Gascogne au Poitou. Pratiquement un quart du royaume, en gros morceaux, quoi. Et là, je crois qu'il faut que je fasse une petite parenthèse pour que vous compreniez bien les choses. En fait, le royaume des Francs, ça n'appartient pas du tout au roi. Non. Ce sont surtout des duchés et des comtés autonomes. Bon, alors évidemment, on rend tous hommage au roi, qui est sacré, tout ça. Mais c'est surtout symbolique, en fait. Alors, il y a les grands duchés de Bretagne, de Normandie et d'Aquitaine, le comté de Toulouse et celui d'Anjou. Ça, c'est le pays des rouquins, les Plantagenêts. Ensuite, plus directement sous l'influence du roi, il y a les autres petits comtés, la Bourgogne et la Champagne, et les comtés de Blois, de Flandre, etc., etc. Et enfin, il y a les possessions personnelles du roi. Et ça, en gros, c'est Paris et ses alentours, Bourges, Orléans. Enfin bref, pas grand-chose, quoi. À peine de quoi trôner, se faire sacrer et partir un peu en vacances. Et chacun de ces grands ensembles est à son tour divisé en plus petits domaines tenus par des vassaux. Et alors là, chacun cherche sans arrêt à bouffer le mec d'à côté, voire même celui du dessus, par les armes ou par le mariage. J'ai un doute pas. Vous voyez l'ambiance, quoi. Et ben voilà, c'est ça, la féodalité. Alors, le principe avec les vassaux, c'est qu'il faut régulièrement leur coller une petite raclée pour qu'ils se souviennent bien de qui est le chef. C'est ça, c'est clair, et ça fait du bien à tout le monde. Non, pas tout de suite, là. Attends un peu, mon chou, on parle. Voilà, t'es mignon. Donc voilà. Donc l'idée de système féodal, donc c'est l'idée d'un système décentralisé qui se construit en Europe au cours du 9e, 10e et surtout 11e siècle, dans lequel on a une multitude de principautés, de duchés, de comtés qui ont une relative indépendance, mais qui en viennent à reconnaître un seigneur commun qui est, dans le cas de la France, qui est, mettons, le roi de France, qui est une personne auquel il prête collectivement hommage. Mais le roi, en réalité, on ne peut pas parler d'un État au sens moderne du terme. Donc, le roi, il est théoriquement leur seigneur, mais en réalité, chacun de ces petites localités-là sont hautement indépendants. OK. Je vais en revenir. Donc, on a un système décentralisé avec un pouvoir central qui est très affaibli. On n'a pas, par exemple, on n'a pas d'armée nationale. Roi a son armée pour ses territoires. Ses armées à lui. Comme le gars d'à côté a ses armées pour son territoire. Et là, tu vas te ramasser avec des comtés puis des duchés qui vont se ramasser de plus puissants que le roi pris tout seul. Ouais, je comprends. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'idée que le roi n'est que le premier parmi ses pairs. Ouais. Donc, il est un seigneur comme les autres à lequel on reconnaît une primauté symbolique. Mais à ce moment-là, Maxime, si tu me permets, moi, je pense que si tu viens de vivre comme le Charlemagne, puis un 200-300 ans d'instabilité puis d'invasion barbare, puis que là, on donne le pouvoir à un gars que quand il meurt, ben ça va être ses descendants qui se ramassent avec ça. Puis on sait pas si, tu sais, mettons, le roi peut peut-être être sur le bord de mourir, puis là, il y a un de ses fils qui meurt à la chasse, puis là, ah ben finalement, on va diviser en 4 à la place de diviser en 5. Tu sais, ça peut créer comme de l'instabilité. Fait que tu te dis, c'est le fun, le roi, mais... Ouais, exactement. Exactement. On va... OK. En plus, on a le concept que le roi doit, et c'est une expression d'époque, vivre du sien. C'est-à-dire que le roi dépend de ses ressources personnelles pour faire vivre l'ensemble du royaume. Donc si, par exemple, il y a des troupes qui envahissent le royaume de France, ben lui, le roi, il a juste son armée à lui puis son argent à lui personnel. Ouais. Donc s'il veut organiser quelque chose, il doit faire appel à ses vassaux qui ont le devoir en tant que vassaux de lui fournir une aide militaire.
mais avec leur troupe à eux. Ouais. Et il peut, mais il n'y a pas l'idée, il n'y a pas une taxation généralisée. Le roi peut lever l'impôt, c'est quelque chose de ponctuel. Mais là, ça dépend, est-ce que les vassaux vont accepter de lui verser l'impôt? Aussi, ouais, c'est plus... Encore là, on n'est pas dans un système légal où tout le monde obéit à la loi. Là. C'est, le roi peut bien dire, là, j'ai besoin d'argent. Fait que là, il peut dire, j'ai besoin de 10 % de vos avoirs, puis non, il doit envoyer 3 %. Ouais, puis qu'est-ce que tu peux faire? Ben, si le roi, tu tombes à un moment où le roi est puissant, puis il y a du monde autour de lui, il peut se ramasser, mais... T'as des situations, et on va en parler, où le roi va perdre le contrôle. Parce que tout le monde est comme, ben non, je veux pas. Puis si tous les seigneurs disent non, je veux pas, ben c'est ça. C'est ça. Ils vont faire une change d'attitude, le roi. C'est ça. OK, mais je vois qu'il y a... On dirait que par la force des choses aussi, encore, on dirait qu'il y a... Il y a un nouveau système de gouvernement, genre. Oui, là. Parce que je ne dis pas que c'est jamais arrivé ça avant, mais à cette échelle-là, là, on a toute l'Europe occidentale qui est comme sous cette manière de fonctionner. Là, puis là, on a arrêté comme à la frontière de la France, comme tu dis. Oui, parce que c'est un bon exemple. Là. Exactement, mais je veux dire, c'est que sûrement que si on continue vers l'Est, il y a encore ce phénomène-là. Oui, de l'Angleterre, mettons, comté, pour faire simple, de l'Irlande jusqu'à Moscou. Hey, hein? Fait que, tu sais, là, il y a comme une zone qui s'appelle on va dire l'Europe. Ouais, en tout cas, ouais. j'aime beaucoup ça. Ça rajoute beaucoup de relief à plusieurs BD médiévales que j'ai lues. Donc, c'est un système fondé sur une multitude d'obligations et de devoirs. C'est-à-dire que chaque personnage dans le système féodal, donc le roi en haut, ses vassaux en dessous et les vassaux de leurs vassaux, ont à la fois des obligations envers leur seigneur, notamment l'aide militaire, et des obligations envers... leurs vassaux, qui est la protection militaire. Si le gars qui est en dessous de toi, il se fait envahir, t'as théoriquement l'obligation de venir l'aider, parce que c'est un peu... C'est ça qui lui tire de cette entente-là. Un trickle-down de sécurité à ce niveau-là. Ouais. Et ce qui est important, et ça va être important pour les souverains, parce que je parle encore des souverains, c'est qu'il y a une logique de consentement. Oui. C'est-à-dire que théoriquement, tu prêtes serment à ton seigneur et tu consens à avoir ce rapport-là avec lui. Tu n'es pas nécessairement un vassal de tel ou tel souverain. En réalité, c'est plus complexe que ça. Là, je te dis, c'est théoriquement, tu consens. Je comprends. La réalité est plus complexe parce que si ton père est vassal, tu deviens un peu automatiquement aussi vassal. Ça regarde bien, là. Puis si t'es juste le gars comté d'un petit comté de merde, tu peux pas vraiment dire au roi non, fuck you, parce que t'es tout seul. Là. C'est ça, OK. Mais théoriquement, c'est fondé sur le consentement des chefs de guerre versus le grand chef de guerre. OK. Mais c'est important qu'il y ait une idée de rapport personnel entre les seigneurs. C'est-à-dire, c'est pas comme les États aujourd'hui, ont des ententes, mais c'est pas... Ce qui est important, c'est pas la relation entre Justin Trudeau et Joe Biden. Ce sont que les représentants d'États qui ont des relations entre eux. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment important que c'est des questions de rapport personnel. Et importance du fief et de la terre, la puissance vient de la quantité de terre cultivable que tu possèdes. C'est ça qui détermine ta richesse. Ouais. On est dans une société qui est peu monétarisée. Il existe la monnaie, mais c'est l'élément central qui fonde ta richesse, c'est la terre. OK. Voilà. Ça s'amène mal en vacances? Ouais. Tu sais, je parlais de décentralisation, là. On est ici, la France en 1030, là. Ce qu'il possède en propre, le roi, c'est ce qui est en bleu. Ça ici, là, c'est pas un lac, là. Ça appartient ça, au roi. Ça, c'est directement ce qu'on appelle le domaine royal. OK. Ce qui est à lui personnellement. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est le vieux malcommode qui voulait pas vendre, fait qu'ils ont fait un croche dans le pont. Non, je sais pas c'est quoi cette région-là. C'est une bonne question. C'est weird. Okay. Mais tout le reste, duché de Gascogne, duché de Bretagne, comté de Champagne, tout ça, c'est... des seigneuries, oui, qui prêtent allégeance au roi une fois par année. On va reparler. Mais, de fait, ils sont à peu près indépendants. OK. On peut continuer. Encore la Bretagne qui fait ses malcommodes. Donc ça, c'est ce que je disais tantôt, là, l'idée de la structure générale. C'est qu'au-dessus, tu as le roi qui est le seigneur des grands seigneurs qui lui-même, eux-mêmes, ont en dessous des plus petits seigneurs. Et quand on appelle l'armée, ben chacun doit envoyer l'appel aux armes de haut en bas. De haut en bas, voilà. Donc, on peut continuer. Ça fait très militaire. Hein? Tu vois, quand on disait que c'est des chefs de guerre. Le système féodal, c'est ça l'élément central. C'est la sécurité. Ouais.
Puis, parce veut pas aussi, si c'est les terres qui ont plus de valeur, ça fait aussi très militaire. Exactement. Puis le principe, c'est que le petit seigneur, je suis pas avancé, mais l'idée, c'est là, tu vas avoir les seigneuries où tu vas avoir, chaque seigneur va avoir une place forte. Ça va devenir des châteaux, mais dans la plupart des cas, c'est pas les grands châteaux de pierre spectaculaires. Là. C'est bon, une place forte, des fois c'est en bois. Mais l'idée, c'est que le seigneur, il y a une petite troupe qui s'engage à défendre les gens qui travaillent sur la terre directement. Okay. Et ceux-là ont peu l'intérêt de partir. Ben, souvent, ils ne peuvent tout simplement pas partir parce qu'ils sont attachés à la terre. Ça se peut que l'autre à côté soit plus mal commode. Puis tu peux même pas faire d'économie parce que la seule affaire de... C'est ta terre. C'est ça. Ça s'amène super mal en voyage. Exactement. On peut continuer. Ah ben ça, ok, je vais t'avouer que y a ça, j'avais pas à mettre tous ces détails-là, mais je geekais sur la féodalité. Jean-Bart, c'est cool, man, c'est parfait. Donc le droit et le devoir du vassal, bon c'est ça, le droit du vassal, posséder un fief, la fief c'est son territoire. Battre monnaie, c'est-à-dire même au début du Moyen-Âge, t'as même pas de monnaie centralisée. Chaque seigneur bat sa propre monnaie. Met sa face sur ça. Éventuellement, ça, c'est ça. Rapidement, c'est l'un des premiers trucs que les seigneurs vont perdre. C'est la centralisation du droit de battre monnaie. Comme là, on est en 1030, à peu près? Oui, à peu près. Okay. C'est ça, exact. On est au début du 11e siècle, puis dès le 12e siècle... OK, c'est assez qu'ils ont dit, là. Wow. Ouais, c'est ça. On va s'entendre pour avoir une monnaie à peu près cohérente, là, parce que ça tenait un peu le chaos, surtout qu'il y en a qui trichaient. C'est ça. Ça se mélange, c'est quoi, l'argent, ça se mélange avec de l'étain. Ouais, exactement. Et là, un autre élément central, tenir justice. Chaque seigneur a l'obligation de... et juge en son territoire et a l'obligation de tenir justice. Hey, tu cours après... ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Sauf qu'à un moment donné, quand tu as des terres importantes, tu peux pas, évidemment, être le juge de tout le monde en même temps. C'est ça. Donc, peu à peu, tu vas avoir des délégations, tu vas avoir la naissance de juges. Donc, de gens qui, au nom du roi ou au nom du seigneur, vont faire des jugements. Fait que là, ça veut dire qu'on commence avec la littérature légale pour exactement. Vrai. Exactement. Je pense que tu vas nous parler de common law tranquillement c'est par ça, la bande. Exactement. Là, parce qu'il y a de la jurisprudence. Là, parce que là, le juge, là, deux royaumes à côté, moi, il a volé deux poules puis il s'est fait donner 10 coups de fouette. Fait que pourquoi tu m'en donnes 50 ici? C'est pas cool, là, il y en a un à côté. Puis comme il n'y a pas de système centralisé avec un code criminel, ben... On part de rien, puis on construit avec ça. Exactement. Puis, c'est encore le cas aujourd'hui. Encore, si tu passes en cours aujourd'hui... Pour une nouvelle affaire. Mais ce que je veux dire, c'est encore le procureur de la couronne qui est contre toi. Dans le sens que c'est il parle au nom de la couronne. C'est-à-dire, il y a encore l'idée que c'est le roi ou la reine qui transmet le pouvoir au juge et au procureur. Que c'est le tenir justice, là. Tu veux dire, il existe encore sous cette forme-là. Là. C'est symbolique. Ben oui. Donc, le droit, c'est d'obtenir la protection de son seigneur, de lever des armées et d'imposer des diverses taxes. Au Moyen-Âge, t'as une chier de taxes sur toutes. Il y a un chaos de taxation, c'est-à-dire qu'un seigneur va dire « Moi, je te taxe ça, genre, je vais taxer le passage sur un cours d'eau, je vais taxer l'utilisation de ce moulin-là, je vais taxer les remariages, etc. » Ce qu'on a vu souvent aussi dans les films, c'est t'as pas le droit d'aller chasser sur ces terres-là, ou si tu chasses une affaire, il faut que tu m'en amènes un. Si t'en tues juste un, ben tout bad pour toi. Puis c'est ça, souvent, rapidement, les seigneurs vont s'accaparer le monopole des forêts. T'auras pas le droit d'aller chasser dans la forêt. Donc, je rentrerais dans l'anthropologie historique, mais en gros, t'as une grosse symbolique guerrière liée au fait que la chasse, la grande chasse, c'est un peu symboliquement, ça appartient à l'aristocratie. Généralement, les paysans ou les vont attraper ce qui va passer dans leur terre, c'est-à-dire des lièvres, des trucs comme ça, mais théoriquement, pas le droit d'aller chasser dans la forêt. Le gros cerf. Puis je veux dire aussi, c'est super logique, là, parce que là, si ça marche assez, cette affaire-là, il y a moins de monde qui se rentre dedans, il y a moins de guerre, il y a moins de... Fait que là, tout est plus militarisé, il y a plus de guerre, mais il faut quand même qu'on aille faire des raids en cheval pour montrer nos marchepieds de shining. Symboliquement, la chasse, c'est compensé quand... Qu'il n'y a plus de bataille de front, fait qu'on peut s'en aller tuer un renard pour ces affaires-là. Exactement. Okay. Et les devoirs de tout vassal, l'obéissance, théoriquement, l'aide militaire, l'aide matérielle, l'aide financière, le conseil, ça c'est un élément important, c'est-à-dire que le tout vassal a le devoir d'offrir son aide, de devenir conseiller de son...
de son souverain. De son souverain qui a besoin de lui. C'est un espèce de système pas démocratique, mais il est fréquent qu'un seigneur va demander le conseil, donc il va amener tous ses vassaux pour dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. » Mettons les architectes. Oui, exactement. Puis là, c'est ça. Et la fidélité. Donc, on peut continuer? Fidélité. Partout où et tu vasseras. Et là, un système bordélique. Donc, tout ceci est une construction théorique bien pratique pour l'enseignement à l'école. Mais en réalité, il s'agit d'un système bordélique qui suit rarement parfaitement toutes les belles balises que j'ai mis. Il n'y a pas de loi unique et centralisée. Je veux dire, juste, mettons, le fait que la chose qui vaut le plus cher, c'est le terrain. Ouais. Puis, mettons, là, chez nous, c'est jusqu'à l'arbre là-bas. Genre, ben là, l'arbre, il a bougé, on l'a coupé, whatever. Là, ça devait surtout qu'il n'existe pas de carte au Moyen-Âge. Il n'y a pas de GPS, là, tu peux pas savoir. Il n'y a pas d'État au sens moderne du terme. Okay. Il y a des ententes contractuelles entre des individus. Et personne n'a les moyens d'imposer unilatéralement des lois ou des ententes. Même pas le roi. Même pas le roi. Donc, c'est ça. Peut-être donc, le pape, par contre. Le pape, il y a peut-être une game, mais en même temps, il est loin, le pape. Ouais. Fait que le temps que ça se rende, ça se traduit de deux langues. Puis le aussi. Pape, il ne se souciera pas d'une querelle de jardin, là. Ben non. Il va se soucier d'une querelle entre deux rois. C'est ça, il est plugué sur Dieu, il y a d'autres choses à faire. C'est ça. Et donc, les tensions, les querelles et les révoltes sont constantes. Premièrement, les guerres entre les vassaux. Même des fois, mettons, toi, t'es le roi, puis t'es tes trois vassaux ici, qu'on est tous de tes vassaux, mais on peut se taper sur la gueule pour des terres. Puis le roi, il peut pas faire grand-chose. Il faut que j'aide les deux, fait qu'à la place, j'aide personne. Exactement, puis ça va foutre, c'est le bordel. Ben ouais. Mais non, mais c'est lui qui a tué mon fils. Ben oui, mais t'es allé crisser le feu à toutes ses affaires. C'est ça. Mais c'est parce qu'il avait craché sur ma soeur. Ouais, là, c'est ça, exactement. On jase, c'est ça. Tabarnak, hein? C'est exactement ça, puis ça va arriver ça aussi. Ça fait, j'aime ça, ça rajoute... C'est une époque qui est quand même assez fertile. J'aime beaucoup plus les affaires qui se passent comme fantasy, dragon, chevalier, que les affaires vaisseau spatial de l'espace, science du futur. J'aime plus la magie que la science-fiction. Là, il n'y aura pas de magie aujourd'hui. Plein de contextes. Ben, c'est assez magique. Tout ça, qu'on ait réussi à sortir de ça civilisé. Genre, le setting, c'est quand même assez intense. Et là, on en vient à la question du droit. Oui, donc, je disais, il n'y a pas de là, droit. Là, il commence à avoir des juges, là, des délégués de l'autorité. Exactement. Mais le truc du droit médiéval, c'est que il est aussi bordélique que tout. Donc, d'un côté, je vais commencer en haut à gauche, tu as le droit canon, qui est le droit de l'Église. L'Église a son propre système de justice pour juger des trucs qui concernent l'Église. Okay. Puis là, on n'est pas comme, mettons, dans les 10 commandements. Là. C'est, non, des affaires de te voler dans la caisse ou des affaires église. Ah, ben, en fait, t'as les deux. OK. T'as un droit qui concerne les crimes commis par des membres de l'église. Ça peut être n'importe quelle sorte de crime. Donc, mettons, un prêtre a tué quelqu'un. L'autorité civile, entre guillemets, n'a pas le droit de juger un prêtre. Je comprends. C'est juste l'église qui peut le juger. OK, je comprends. Et ensuite, tout ce qui concerne. Je vais dire facilement la religion. Donc, des peines ou des questions qui sont liées à des questions purement religieuses. Par exemple, l'hérésie. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui professe la mauvaise foi? Ouais. Ben là, ça relève du droit canon. Puis l'intérêt du droit canon, c'est que les religieux, c'est eux qui savent écrire, généralement. Donc, c'est eux les premiers vraiment à mettre par écrit des lois concrètes vraiment qui vont appliquer systématiquement. L'Église est importante dans l'histoire est importante dans l'histoire du droit occidental parce que c'est la première vraiment à mettre par écrit des shit. Tu comprends. J'aurais peut-être... t'as vu Kaamelott? Oui. Puis il y a comme un druide là, qui écrit, un prêtre qui écrit les affaires-là. C'est-tu comme une vieille tradition de faire ça, d'écrire? Ça existait-tu pour vrai, comme dans le temps de peut-être 500-400 avant, puis c'est comme resté de là? Ben, l'Église a rapidement pris la... Quand l'Empire romain s'est effondré, c'est rapidement l'Église qui est devenue un peu... l'autorité intellectuelle. OK, donc, voilà. Oui, dès le 5e, 6e siècle, il y avait des scribes impliqués dans les affaires des royaumes. Presque toujours des religieux. Ouais. J'ai l'entourage de Charlemagne, qui est un entourage qu'on suit vraiment beaucoup d'intellectuels, de poètes, d'artistes, de poètes, d'intellectuels très avancés, puis c'était tous des religieux. OK. Je comprends. Et en même temps, il y a comme un avantage social. Si t'es un petit peu immunisé à toutes les lois de l'homme, il y a peut-être des affaires qui passent. Là.
Après ça, tu as le droit coutumier. Donc, le droit coutumier, c'est ce qui va... c'est le droit traditionnel. C'est celui qui est donné par les seigneurs. C'est celui... c'est le droit traditionnel, par exemple, dans un village. C'est les traditions qui vont dire « Ah, oh, généralement, on donne cette peine-là. » C'est le droit de la tradition. Et c'est souvent le droit, justement, qui est utilisé par les justices royales et seigneuriales. Une espèce de droit de la tradition. Puis souvent, chaque région a son droit localisé. Par exemple, il y a ce qu'on appelle ça en droit médiéval les coutumes. C'est-à-dire que tu as la coutume de Paris, tu as la coutume de Bretagne, tu as la coutume d'Aquitaine, qui est tout un des droits différents. OK. Ensuite, tu as le droit romain, qui existe encore, parce qu'il est encore codifié dans l'Empire romain d'Orient. On a encore des étudiants du Code théodosien, qui est un peu un grand recueil de lois qui a été rédigé au 4e siècle avant la chute de l'Empire. Et on a encore ces lois-là qui, encore dans certaines régions de l'Europe, notamment dans le sud de la France, est encore utilisée. OK. Donc, ils vont encore utiliser des éléments du droit romain. Mon graphique est mal fait. Là, j'aurais dû faire deux graphiques différents, c'est pas grave. En bas, ensuite, tu as la justice royale et la justice seigneuriale. Parce que là, tu as le roi en tant que roi qui administre une justice, mais les seigneurs aussi. Mais, je l'ai dit, il n'y a pas d'État. Fait que tu vas avoir des gens, par exemple, qui vont dire « Ah, moi, je l'aime pas trop, mon seigneur. Fait que je vais aller me faire juger par le roi à la place. » Tu as du monde qui vont changer de circonscription pour aller se faire je juger comprends. Ailleurs. Okay. Ouais, ouais. Le roi, il est connu pour mettre tout le monde à mort. Fait que, ah ben là, je pense que je vais plus aller voir le Seigneur cette fois-là. C'est ça. Mais progressivement, et là je vais en reparler, les rois vont tendre à devenir une sorte de cour suprême. C'est-à-dire que quand tu n'es pas content du jugement du Seigneur, tu passes à l'étape d'après, ben oui. Qui est les juges nommés par le roi okay. directement. Donc c'est ça. Et autre instance, tu as même d'autres petites instances, comme par exemple, des fois, dans les villages, tu vas avoir des petits tribunaux informels pour régler des chicanes de voisinage. Okay. Ou parce que souvent, le seigneur, il est absent. Donc, les paysans s'arrangent un peu entre eux autres. Fait que là, c'est ça qui se passe. J'aime ça, le concept. Ça, ici, ça a l'air de maman puis papa. Là, genre, c'est ça. Tu demandes à papa, il veut pas. Fait que tu vas demander à maman, puis s'il veut. La première gang qui se sont rendu compte que... Mais là, lui, il me semble, on l'avait comme condamné. Pourquoi qu'il est... Ah, mais j'ai entendu dire qu'il est allé voir le roi, là, pour ça. Quoi? Il y en a combien qui ont fait ça? Pour te répondre, Doom, c'est une super bonne question parce que j'ai pas de réponse, parce que on s'entend pas à cette époque-là sur la bonne réponse à ta question. Donc, la question étant, si, mettons, quelqu'un d'Aquitaine va à Paris, il est jugé selon quelle coutume? Ben même à l'époque, on s'entend pas là-dessus. Moi, je pense que je devrais juger selon telle coutume. Non, il devrait juger selon telle coutume. Donc, il n'y a pas encore, de... C'est encore souvent un problème ici aussi, le genre de, où le process se fait, d'affaires-là. Donc, on peut continuer. Ben, bon, c'est ça, l'idée que je donnais, c'est donc... là, on est encore vers les années 1030. Puis là, on a encore une tradition de droit écrit, de tradition romaine dans le sud de la France, alors que dans le nord, on a ce qu'on appelle le droit coutumier, qui va donner naissance à la common law. On s'en va vers ça, là. Donc, c'est un droit qui est un peu parcellisé, avec une multitude de jugements qui deviennent force de loi un peu partout. Okay. On peut continuer. Lui est écrit droit écrit, mais les deux sont écrits, je pense. Ouais. C'est juste pas pareil. C'est pas pareil. Eh bien, ça, je vais juste donner un exemple. Là, c'est aujourd'hui, ce qui est en orange, c'est le droit romano-civiliste, donc le style à la française, donc droit écrit vraiment. Et avec ce qui est en rose. Droit écrit, excuse-moi, mais droit écrit vraiment, c'est. Le juge pourrait être une machine, puis ça serait pas mal le même j'irais résultat. J'irais pas jusque-là, parce que je suis pas légal. Je sais pas c'est quoi leur marge de manœuvre, mais il y a une marge de manœuvre beaucoup plus réduite. Voilà. Et ce qui est en rose, c'est la common law à la britannique, donc c'est essentiellement les anciennes colonies britanniques. On va voir ça Et en mauve plus foncé, c'est les régions où on a un droit mixte. Donc, où il y a du droit civil et du droit common law. C'est le cas notamment au Québec et en Amérique du Sud. Puis le vert, ça doit être la loi religieuse. Oui, exactement. Ouais. C'est-tu qu'on est bien chez nous, hein? Ben oui, la Louisiane. C'est la Louisiane, encore comme le Québec, la tradition napoléonienne du... Le jaune, c'est une bonne question.
En Mongolie, Je ne saurais pas dire. Ça serait à fouiller. C'est le pays le plus nomade au monde encore. Fait que probablement, ils ont c'est de la law on the go. Tu sais, ils ont des machines. Là. Tu peux t'acheter de la loi. Là, parce que... là ici, on a un exemple. Donc, je vais donner juste une image parce que c'est le fun, les images. L'idée, c'est que ça, c'est important pour les souverains qui te parlent tout le temps de consentement. C'est un truc, en fait, j'aurais dû garder ce que j'ai dit tantôt là. Ouais. C'est l'idée que, théoriquement, il y a un élément de consentement. Ouais, okay. C'est-à-dire que tu consens à avoir un suzerain et le suzerain consent à t'avoir comme vassal. Comme vassal. Ouais, ouais, ouais. Et pour le Moyen-Âge, c'est une société du rite, des rituels. Tout est fait par des rituels. Et après ça, ce qui est écrit après, c'est plus comme une sorte de procès-verbal pour dire « je confirme que le rituel a bien eu lieu ». Ouais, je comprends. Donc, ici, on a un exemple ici. Je vais expliquer pourquoi. Donc, le roi Édouard III, roi d'Angleterre, rend hommage. Ce qu'on appelle la cérémonie quand tu deviens... tu reconnais la suzeraineté, c'est... on appelle ça rendre hommage. OK. Donc, rend hommage à Philippe VI de Valois en 1329 après la victoire de Cazel. Je vais y revenir avec ça, mais je vais juste expliquer. Il y a la cérémonie. L'un des éléments centraux de la cérémonie, c'est que le vassal met ses mains comme ça, comme en prière. Et le suzerain met ses mains autour des mains en symbole de protection. Ouais. Et ben c'est le signe aussi qui est lié au symbole de prière. C'est le même geste. Ouais. Parce que t'es devant ton seigneur. Ouais, OK. Donc, ça, c'est pas seulement du roi ou à un seigneur. Mais je vais l'expliquer plus loin, mais okay. C'est dans ce cas-ci. Oui, c'est dans tous les cas, mais là, c'est parce que le roi d'Angleterre était vassal du roi de France pour la Normandie. Ah, tabarnak! Mais je vais tout expliquer ça plus tard. On peut continuer? Mais tous les hommes portaient des robes? Oui! Ah ben tabarnak, festival de drag queen! C'est ça! On va se le dire, hein, comment c'est gros cette main-là, par contre. Le gars, il a dit, ça me tente pas de recommencer le background, ça a trop été long à faire. Sacrément, hein? Et là, on a ici des gars qui French, je voulais le souligner. Tabarnouche! Généralement, la fin du rituel... impliquait un baiser entre les deux participants sur la bouche. Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, le baiser sur la bouche n'a pas de symbolique sexuelle romantique. OK. C'est l'équivalent d'une poignée de main aujourd'hui. Ouais, je comprends. Il y a encore, comme en Russie notamment, on a beaucoup d'images de la fameuse image de Brejnev qui embrasse sur la bouche un autre politicien russe. Quand la photo était sortie en Amérique du Nord, tout le monde était comme « what the fuck ». Mais il y a encore des cultures où des hommes qui s'embrassent sur la bouche, c'est pas weird. Bah oui. Puis c'est particulièrement important au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle l'os culum. C'est vraiment un symbole d'égalité guerrière. Et c'est aussi, si vous êtes déjà allé à la messe, on se donne la paix là, en serrant la main. Au Moyen-Âge, ils s'embrassaient sur la bouche. Donc, il y a quelque chose d'une idée de fraternité puis d'égalité. Parce que oui, t'as été à genoux avant, t'es mon vassal, mais aussi on est deux guerriers égal à égal, puis on s'embrasse. À la fin du Moyen-Âge, on commençait à trouver que le baiser, c'était un peu trop Il y a beaucoup sexy. De proximité. Hein. On commençait, fait qu'à la fin du Moyen-Âge, ils ont remplacé ça par une simple accolade. Voilà, un petit fist bump. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on voit que le gars à droite, là, il était plus ou moins d'accord, là, tu sais. Lui, ça? Non, l'autre image. Là? Le gars à droite. Le gars à droite de cette image-là, ouais, lui. Diantre! Oui, c'est ça. Il est comme surpris. Il a des enfants. ce système chaotique-là va venir jouer, et ça va être important pour ce qui va suivre, d'un jeu constant entre les seigneurs et le roi qui vont tout le temps de leur côté se battre pour leur propre... Dans le sens que le roi va continuellement se battre pour avoir plus de pouvoir sur ses vassaux, ouais. Pour les contrôler plus, pour avoir une armée à lui, pour avoir une monnaie à lui, pour contrôler la justice. Alors que de leur côté, les vassaux vont continuellement tenter de... Non, je veux battre ma botte monnaie, je veux faire ma propre justice, ouais. Reste chez vous. Mais tu peux venir m'aider si j'ai besoin d'aide militaire, par contre. Parce que... fait qu'il va tout le temps avoir, tout au long du Moyen-Âge, ce jeu-là. Et... dans le cas de la France, ce jeu-là va aboutir sur l'absolutisme royal. C'est un peu le roi qui va l'emporter. Je comprends. Entre le peuple et... c'est pas le peuple, ici, c'est vraiment Il y a vraiment des... En fait, je te repasse la poque dans un instant. Avant, je veux juste saluer bien bas le Défécateur qui vient de nous raider. C'est très, très, très sympathique de nous revoir. Le Défécateur, je le répète à chaque fois qu'on a l'honneur de le recevoir ici, mais c'est un petit peu...
le parrain hein, de la gang de rangeurs d'alerte à laquelle je prétends appartenir. Je vous recommande fortement non seulement de suivre son canal, mais aussi d'aller creuser ses excellentes créations sur le YouTube au même nom. Oui, oui, totalement français, le sympathique Gaillard. Là-dessus, ben, vous allez être contents, messieurs, mesdames, qui venez de nous rejoindre. On est avec un doctorant en histoire médiévale qui est en train de nous expliquer comment la Magna Carta, un texte de loi de 1215, en est venu à être encore instrumentalisé, utilisons-le comme ça, par les citoyens souverains, une grande famille des conspirationnistes modernes. Donc, merci beaucoup d'être là. On vous souhaite une excellente soirée ou milieu de nuit, tranquillement, pour chez vous. Puis, Défécateur, j'aimerais vraiment beaucoup t'inviter à te parler un petit peu en privé. C'est pas la première fois que je te le dis, là, je te peignerai sur ici via Twitch. OK, là-dessus, on y retourne avec Max Laprise et je vous remercie d'être là. Bonne soirée. J'entrerai pas davantage dans le détail dans ce graphique-là, mais disons que tout au long du Moyen-Âge, il va y avoir une multitude de transformations économiques et sociales qui va jouer en faveur ou en défaveur d'une centralisation ou d'une décentralisation. Décentralisation, voilà. Donc, on peut continuer. Ah, puis là, je vois où tu nous amènes tranquillement pas vite. Ben, c'est ça. Parce qu'on va s'en aller en anglu, là. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, ouais. Je voulais vous donner un exemple, l'exemple de la France. Tabarnak, il y en a du stock, man. Donc, à gauche, c'est la même image que tantôt. Ce qui est en bleu, c'était le roi. Et là, on est en 1477 à droite. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est au roi maintenant. Ouais, 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 c'est le temps d'acheter, là. Acheter du roi, là. Puis encore la Bretagne qui font le mal commun. Ouais, les Bretagnes, ils ont... Les Bretons, ils veulent pas, Colin. C'est la dernière région à avoir été vraiment investie dans le royaume de France. OK, hey, puis ils sont allés loin au sud avant. C'est quoi? C'est une question d'haleine? Non, c'est pas d'attitude. Hein? Même Jules César avait essayé, puis ça avait... Non, on peut continuer. À cause du druide, oui. Là, on est rendu un clip. Oui. OK. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Guillaume en impose grave pause. Et personne n'ose lui chercher des noises. Donc, vous le connaissez, c'est Nota Bene. Il fait des excellentes vidéos d'histoire. J'ai coupé... un peu la vidéo, mais donc on voyait pas l'intro, fait que je voulais le noter. C'est Nota Bene, une vidéo sur YouTube. Il fait des excellentes vidéos d'histoire. Et son grand avantage, c'est de faire beaucoup parler les historiens et les historiennes, de les citer, ce qui est rare dans les chaînes YouTube d'histoire, de vraiment travailler avec les historiens et les historiennes, contrairement à juste genre mettre que... Somme doute qu'il a lu quelque chose sur YouTube. Là. Ouais, je comprends. Il y a une différence entre dire lui, il pensait ça et de sortir des bouts que c'est le gars explique donc, sa pensée. Il fait vraiment un bon travail de ce que j'appellerais du journalisme historique, dans le sens qu'il va vraiment travailler avec le stuff. Et là, on va parler de la question. Et là, c'est là que l'Angleterre entre dans la game. On peut y aller. Il y a quelqu'un qui est. Attends un petit peu. J'avais commencé. Je demande si Nota Bene est breton, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit « D'ailleurs, c'est un breton ». Ah, je sais pas. Fait que, il y a une gueule de breton. Ah. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Guillaume en impose grave et personne n'ose lui chercher des noises. Et pourtant, il ne compte pas s'arrêter là. Depuis des années maintenant, il noue des contacts étroits avec le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur. Donc là, il parle de Guillaume de Normandie. En effet, celui qui est le roi d'Angleterre avait dû fuir dans sa jeunesse les forces danoises de Knut le Grand, qui avait envahi puis pris le trône d'Angleterre en 1016. Après avoir passé près de 20 ans réfugié en Normandie, Édouard le Confesseur avait alors toute confiance envers les Normands. Il aurait alors non seulement promis son trône à son parent, Guillaume, mais également pris des conseillers normands pour l'épauler dans sa gestion du royaume. Une affaire qui roulerait presque pour Guillaume hein, si Édouard n'avait pas épousé Edith de Wessex. Je sais, ma prononciation est un peu hasardeuse. Edith de Wessex, c'est la fille du plus puissant comte du pays, Godwin de Wessex, eh oui. Et pendant des années, la famille de Godwin va tenter de pousser vers la sortie les Normands, qui occupent des places à haute fonction. Et ils vont y arriver, hein, si bien qu'alors que le roi Édouard vieillit et s'affaiblit de jour en jour, Harold de Godwinson, c'est-à-dire le fils de Godwin, hein, si vous préférez, se met les nobles dans la poche et assure ses arrières pour prendre le pouvoir quand le temps sera venu. À cela s'ajoute un autre petit souci pour Guillaume, et pas des moindres. Un certain Harald, le roi de Norvège, tient lui aussi à récupérer le trône du roi Édouard. Ça commence à faire beaucoup de monde pour un pauvre type qui n'est même pas encore mort. Hein. Alors quoi qu'il en soit, Harald, il ne faut pas le prendre à la légère. Hein. Le type n'était rien de moins qu'un ancien chef de la garde Varek de Constantinople. Vous savez, ces vikings qui maniaient des haches à deux mains là. Bref, lui il fait valoir un ancien traité signé entre le dernier roi de Norvège et un ancien roi d'Angleterre pour revendiquer les terres anglaises.
D'ailleurs, il n'attend pas qu'Édouard ait passé l'arme à gauche pour commencer à préparer son invasion de l'Angleterre dès 1064. Le 5 janvier 1066, voilà chose faite. Édouard rend son dernier souffle dans la célèbre abbaye de Westminster, une abbaye qu'il avait fondée. Harold est immédiatement couronné roi d'Angleterre, et cela déclenche bien évidemment la fureur de Guillaume et de Harald. Guillaume tente bien un petit coup de pression diplomatique sur Harold, mais ça ne marche pas. S'il veut récupérer le royaume d'Angleterre, il va alors devoir convaincre tous les barons de Normandie qu'il est l'homme capable de traverser la Manche et de réussir son invasion de l'Angleterre, comme Jules César l'avait fait bien avant lui. Ah, il a répondu « t'es pas game !» Pendant près d'un an, Guillaume va préparer minutieusement son attaque. Mais avant lui, Harald, le roi de Norvège, débarque en Angleterre pour croiser le fer avec Harold. Harald connaît mal le coin et Harold, le roi d'Angleterre, le prend par surprise durant la bataille de Stamford Bridge, le 25 septembre 1066. Il charge les troupes vikings qui sont stationnées et attendent les ordres de marche. L'assaut est brutal et inattendu pour les hommes du Nord, qui non seulement sont désorientés, mais aussi sous-équipés puisqu'une partie de leur matériel est restée sur leur bateau. Harald, le célèbre chef viking, aura beau s'égosiller de tout son souffle pour mobiliser ses troupes, tout ce qu'il récoltera c'est une flèche en travers de la gorge qui le réduira définitivement au silence. La bataille de Stamford Bridge est donc une belle victoire pour Harold malgré ses nombreuses pertes, et une cruelle défaite pour les vikings norvégiens. Ça commence donc plutôt bien pour Harold qui vient d'éliminer un concurrent, mais c'était sans compter sur l'empressement de Guillaume. C'est en effet 3 jours plus tard que Guillaume, en pleine nuit, réussit à faire traverser la Manche à la totalité de son armée. Près de 8000 hommes et 3000 cavaliers. Enfin, à peu près, hein. On n'a pas de chiffres précis, alors considérez qu'il y a une petite marge d'erreur de 10 à 20%, quoi. Une broutille. Bref, quand Harold apprend ça, il doit bien avoir les boules, hein, parce qu'il est obligé d'ordonner une marche forcée vers les côtes du sud à son armée, déjà fatiguée par la bataille de Stamford Bridge. Bah ouais. Pendant ce temps-là, Guillaume se construit un petit fort en bois, pépère, et attend sagement. Bon, en vrai, il lance quelques raids sans savoir qu'Harold est en marche, hein. Enfin, presque. Puisqu'une armée de plusieurs milliers de fantassins, bah, c'est pas vraiment discret, si vous voyez ce que je veux dire. Bientôt, le duc de Normandie aperçoit le traître anglais qui lui a volé sa couronne. L'engagement commence le 14 octobre 1066 vers 9h du matin, à 11 km au nord de la ville d'Hastings. Bien évidemment, il s'agit de la très célèbre bataille d'Hastings. Si les Anglais semblent légèrement moins nombreux que l'armée de Guillaume, elle n'est cependant composée que de fantassins quand en face d'elle se trouvent des fantassins, des archers et des cavaliers venus de Normandie, de France, de Flandre et de Bretagne. Les sources se contredisent pas mal sur le déroulé de la bataille, mais quoi qu'il en soit, elle aurait duré toute la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'état d'épuisement dans lequel les types devaient être à la fin. Hein. Quoi qu'il en soit, il semblerait que Guillaume utilisait la technique dite « du lâche », ça c'est moi qui l'appelle comme ça. En gros, il charge sur un flanc, fait semblant de fuir, et tandis que les Anglais se lancent à sa poursuite, se désorganisant au passage, paf, il se retourne et brise leur ligne, notamment avec sa cavalerie qui jusque-là ne pouvait atteindre les Anglais en surplomb sur une colline. Bon, dans tout ça, on sait pas trop si c'est Harold qui s'est planté dans ses ordres, ou ses troupes, également composées de paysans, qui se sont un peu trop enflammées. Mais le résultat, bah, il est là. Après que ses deux frères soient tombés au combat, Harold se prend une flèche dans l'œil avant de se faire achever par un gars qui passait par là. Ouh, aïe. Dans une autre version, c'est une mission commando de 4 cavaliers normands qui se frayent un chemin dans les rangs anglais et qui le taillent en pièces. Ouais. La victoire est donc complète pour Guillaume qui remporte le trône d'Angleterre. Enfin, pas tout de suite, hein, puisque bizarrement, les Anglais ne voudront pas lâcher le morceau. Du coup, bah, il ira mater quelques révoltes, prendre la ville de Londres, et il se fera couronner le jour de Noël, le 25 décembre 1066. Une fin heureuse, enfin, pour Guillaume, hein, pas pour les autres. Bref, cette bataille, elle passera à la postérité, notamment grâce à la célèbre tapisserie de Bayeux, qui est en fait une broderie, hein, que je vous montre depuis tout à l'heure. Une œuvre de propagande qui mesure pas loin de 68 mètres de long. Vous pouvez la voir aujourd'hui au musée de Bayeux si ça vous intéresse. Enfin, oui, jusqu'au début de l'année 2020 environ, puisqu'il a été annoncé que la tapisserie serait sûrement prêtée pour un temps aux Anglais. Okay. Sûrement pour voir ce qu'ils ont loupé, hein. Oui, bon, je sais, c'est pas bien de se moquer des anciennes colonies. Bref, sans se moquer davantage de nos camarades d'outre-Manche, revenons à nos moutons. Guillaume devient donc roi d'Angleterre, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout le territoire. Dans les faits, il règne surtout sur la partie sud et la partie ouest du pays, car dans la partie nord, la population n'est pas très coopérative. Il délègue l'administration à son frère Odon et à Guillaume Fitz-Osberne, qui l'a toujours soutenu dans son œuvre, avant de retourner en Normandie. Dans un premier temps, les consignes sont claires. S'il faut être ferme avec la population et avec les Saxons, principaux ennemis qu'il a matés, il ne faut pas les braquer. Il laisse alors les seigneurs anglais en poste, négocie, fait construire des châteaux normands un peu partout, bref, il veut stabiliser son pouvoir. Mais dès 1069, il va s'apercevoir que cette tactique a ses limites, car de nombreuses révoltes éclatent un peu partout.
Des seigneurs du Nord, des Gallois, des Saxons, tous veulent reprendre le pouvoir et certains Danois tentent même de leur venir en renfort pour réussir leur manœuvre. C'était sans compter sur Guillaume, revenu sur le territoire, qui se transforme en Super Saiyan et qui change de tactique. Exit Guillaume le Gentil, place au Conquérant, qui ne fait pas dans la demi-mesure. Okay. Il réprime les révoltes dans le sang de façon très brutale, et il n'hésite pas à dévaster des régions entières comme le Yorkshire, ce qui conduit à la mort de certaines populations qui n'ont plus de quoi se nourrir ou se protéger du froid. Tandis qu'auparavant, Guillaume projette de laisser une bonne partie de la noblesse anglaise à sa place sous son tutorat, il remplace désormais tous les postes à haute fonction par des Normands et récupère les terres des Saxons. Si quelques barons normands tenteront un coup de traître en 1075, Guillaume les mate bien vite par l'intermédiaire de son beau-frère, et il décide d'attribuer à ses seigneurs des terres qui ne sont pas forcément côte à côte, mais dispatchées sur tout le territoire, ce qui rend bien plus difficile un soulèvement. Bref, dans les années 70, il n'y a plus beaucoup d'Anglais qui sont propriétaires de leurs terres, la plupart sont pauvres et au service des Normands et de leurs alliés. C'est ce qui fait notamment que c'est à cette époque que le français, ou plus précisément l'ancien Normand, devient la langue de la cour anglaise, de la politique et de la loi. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots français dans la langue anglaise. Depuis qu'on est rentré, Aliénor semble se tenir à carreau. C'est le confessionnal de tantôt. Oui, donc voilà, donc l'idée. Donc là, on a Guillaume, à cause d'une revendication qu'il avait sur le trône, bon, une série de questions politiques, a traversé la Manche, a pris l'Angleterre, et ce qui est important, c'est qu'il a importé la féodalité à la française en Angleterre, où il a mis un certain nombre de comtés, où il a établi un système tel celui qu'il y avait en Normandie, mais il faut comprendre que Guillaume restait en même temps duc de Normandie et roi d'Angleterre. Donc, il était roi d'Angleterre, tout donc un seigneur suprême, mais en même temps, c'était un vassal du roi de France, parce qu'il était seigneur duc de Normandie. Donc, vassal du roi de France en France, mais suzerain en Angleterre. Double classé, Colis. Ouais, mais ça pose des problèmes. Ben, j'ai voué pointé, là. Je te vois aller, là. Ouais. Donc, on est encore dans Confession d'histoire, et on peut y aller. Depuis qu'on est rentré, Aliénor semble se tenir à carreau. Et c'est moi qui prends les choses en main. Et sans l'aide de mon bon abbé sujet, à qui j'avais confié le royaume pendant la croisade et qui nous a quittés peu de temps après notre tour. Je dois notamment gérer la situation avec les Plantagenets. C'est excellent. Les rouquins qui passent leur temps à piquer des colères noires. Le vieux Geoffroy Plantagenet. Samuel Huard de Rolliette est en train de manger de la pizza. Ils sont plus pétés. Parce que du coup, il a aussi récupéré le duché de Normandie qu'il a refilé à son fils. Bah oui, rapport à Guillaume le Conquérant, tout ça. De quoi je parle, là? Bon, y a de vous renseignerez. Ouais. Bien. Alors, le jeune Henri Plantagenet, avec l'héritage qui se traîne, il devient super dangereux. Et toute la famille se rebelle. Ben oui. Il refuse de me rendre hommage. Ben, les tabarnaks. Mais ils vont vite faire connaissance avec le nouveau Louis. Oh, ouais. Big je m'en vais les calmer, moi, les rouquins. Ben oui, ça doit être le dernier Louis. Je ne supporte plus le Louis. Il me sort par les yeux avec son menton tout lisse. Hein. Moi, je veux un mec, un vrai, quoi, hein, que je peux contrôler. Alors stop, c'est marre, je me casse. Merci pour ce moment, tout ça, mais alors là, vraiment, j'en peux plus. Non, pour vrai? Donc, j'ai demandé l'annulation du mariage. Même si officiellement, on va dire que c'est lui qui m'a répudié, hein, histoire que les gens se foutent pas trop de sa gueule. Et puis moi, je reprends mon Aquitaine et ciao, bon vent. Non. De toute façon, je vais pas rester célibataire bien longtemps. You go, girl. À peine séparée, il y a déjà deux grands seigneurs qui ont tenté de m'enlever pour me marier de force. Quelle belle victoire. Bien face caméra, okay. Et c'est parti. Aliénor, si tu reviens, j'annule tout. Ouais, c'est pas gagné. Eh ben voilà, en à peine quelques semaines, j'ai trouvé un nouveau mec et je me suis remariée. Vous savez qui c'est? Vous devinez pas? Ah, ça va être Guillaume. Non, mais c'est 15 ans de moins que moi, grand, costaud, une belle barbe, une chevelure de feu, le tempérament qui va avec, un régal. Et puis je vous dis pas l'empire que ce mariage va me donner. Moriton, il a déjà l'Anjou, le Maine et la Touraine, plus la Normandie. Moi, je lui apporte l'Aquitaine, hein, ça c'est pas rien. Et là, il est sur le point de récupérer l'Angleterre. Et donc du coup, je redeviens reine. Ajoutez à ça la Bretagne et l'Écosse qu'on va pas tarder à envahir, hein, ça c'est dans les tuyaux. Vous avez pratiquement toute la façade atlantique. Ouais, libre ça, oh, le pauvre loup, il a pas fini de s'en mordre les couilles. Eh, si ça se trouve, je vais foutre la merde pour des siècles. C'est bon, mon chou, tu peux venir jouer maintenant. Il est content. La salope.
La salope. J'aime vraiment beaucoup ce show-là. Je vais aller checker ça. Oui. Donc là, évidemment, ici, on était plus tard. Là, on était ici au... Je l'ai manqué, ce bout-là. On était plus tard dans l'histoire. Mais ce que je voulais exprimer ici... Donc, je l'ai dit, Guillaume est parti de la Normandie et a pris une partie de l'Angleterre. Et en Angleterre, on voit à droite, il a fondé... On est ici, l'Angleterre, en 1086. Il a... établit un système un peu, je vais dire, à la française, c'est-à-dire avec une série de comtés, de duchés, établi avec un système féodal. On peut passer... Tu vois, gars, l'Angleterre aussi a sa Bretagne. Oui, c'est bien ça, c'est le Pays de Galles. Ouais, c'est quoi? Il est indépendant à ce moment-là, il y avait un royaume indépendant. On touche pas à ça, vos niaiseries. L'Écosse non plus, l'Irlande non plus, pas pour le moment. Ouais, effectivement. Donc, ce qu'on voyait dans la deuxième vidéo, j'aurais peut-être juste la mettre juste après, ça se passe au 12e siècle, donc une centaine d'années plus tard, okay. Tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le seigneur d'Anjou a marié la fille du roi d'Angleterre. Ce qui fait en sorte que leur enfant se ramassait duc de Normandie, roi d'Angleterre, comte des régions dans le centre, là, comte du Maine, comte d'Anjou, qui a marié la fille du roi d'Angleterre. Ouais. Puis, mais ce gars-là, il a marié Aliénor d'Aquitaine, ce qui lui apportait en plus l'Aquitaine. T'as ça ici, là. C'est-à-dire que là, juste comprenez que la moitié du royaume de France appartient aux Anglais. Ça commence à être un gros player, là. Ouais, effectivement. Ils ont le même boss que le roi d'Angleterre. Mais ils sont encore c'est encore des vassaux du roi de France. Non, justement, tout ce qui est en rouge, ça devient des vassaux du roi d'Angleterre. Et pénis. Mais le roi d'Angleterre est vassal du roi de France par la Normandie. Par la Normandie. Hey. OK, ben tantôt, OK. Il va falloir se parler, là. Ben justement, il va falloir qu'ils se parlent, un moment. C'est ça. Y a-tu comme une guerre de 100 ans qui va arriver pour régler en fait, ça? En fait, la guerre de 100 ans, on parle pas de ça pour l'instant, mais la guerre de 100 ans va être liée à ce conflit-là qui va s'étendre très longtemps. Elle l'a dit, la fille, là. Ouais. Elle dit, elle va mettre la chiant pendant des... C'est ça. On peut continuer. All right, un petit clip ici. Là, petite pause. Là, on avance encore dans le temps. Et là, on est rendu à Richard Cœur de Lion. Donc, on est encore un siècle. On est encore plus tard. Où là, justement, ils vont se parler. Donc là, on est dans encore un autre épisode de Confession d'histoire, cette fois-là sur la Troisième Croisade. C'est que j'aime ce show, là. Bon, on va laisser tomber la reconquête de Jérusalem, là. Non, parce que c'est super bien défendu. Nous, on n'est pas assez nombreux. Puis je reçois des nouvelles du pays plutôt inquiétantes. Depuis son retour, Philippe se serait accoquiné avec mon petit frère Jean sans couilles pour me piquer la couronne en échange de la Normandie. Alors on va signer une paix rapido avec le copain Saladin. Il conserve Jérusalem à condition de permettre le pèlerinage, et puis nous on garde toute la côte, ce qui est bien pratique pour le commerce. Et moi, je rentre dardard au pays, sauver ce qui reste de mon empire. La Normandie, l'Anjou, l'Aquitaine... Hein ? Ah oui, et puis l'Angleterre aussi, bien sûr. Bon, allez, j'ai passé vite. Plus de 6 mois en Angleterre. J'ai déjà mis ma femme et ma sœur dans un bateau, et moi, je prends tout de suite la mer. Avec des vents favorables, dans 2 mois, à tout péter, je suis à la maison. C'est pour ça que Sean Connery avait fait 500 000 pour 2 minutes dans Robin Hood, là, le 30 ans. C'est vrai qu'en l'absence de Richard, j'ai un peu fait mon trou en Normandie. Un trou normand, quoi. Pour commencer, j'ai récupéré le château de Gisors, qui faisait partie de la dot de ma sœur, donc c'est un peu normal que je mette la main dessus. C'est un lieu hautement symbolique, Gisors. C'est là que nous autres, rois des Francs, rois de France, ont signé tous nos traités de paix avec les Plantagenêts à l'époque d'Henri II. On faisait toujours ça sous l'immense orme auprès duquel, dit-on, Bernard de Clairvaux, en personne, aurait écrit les règles de l'ordre du Temple. Un arbre magnifique, presque sacré. Enfin, jusqu'à ce que mes gars ne le découpent un jour de canicule parce que les soldats d'Henri s'y étaient mis à l'ombre les premiers. Hein ? Quoi ? Ah ! Vous voulez des nouvelles de Richard ? Eh bien, figurez-vous que fidèle à sa chkoumoune dès qu'il prend la mer, son bateau a été pris dans une tempête sur le chemin du retour. Bon. Et il s'est échoué avant d'arriver à destination. Il a dû traverser incognito les terres du duc d'Autriche.
dont il s'était fait un ennemi pendant la croisade, en se faisant passer pour un simple marchand accompagné de 2-3 sous-fifres. Et voilà qu'alors qu'ils étaient sur le point de quitter le Saint-Empire germanique, un de ses valets est allé faire un tour en portant les gants royaux décorés des emblèmes du roi d'Angleterre. Non. Les soldats du duc ont chopé le gars qui les a conduits jusqu'à Richard et ils l'ont aussitôt capturé et mis au fer. Il est bien resté un an et demi prisonnier. Mais tout récemment, l'empereur Henri le Cruel, qui finalement n'est pas un si mauvais bougre, a accepté de le faire libérer contre une rançon colossale qu'Aliénor a eu bien du mal à réunir. Elle a dû faire raquer tout le monde. Les nobles, les églises, les paysans, et ce alors qu'il venait à peine de digérer la fameuse dîme saladine avec laquelle Richard avait financé sa croisade. Ah bah tiens ! Voilà justement Richard ! À peine libéré, il a dû faire un petit tour en Angleterre, et là, le voilà de retour sur le continent ! Richard ! Ça vaut mon pote. Jump. Alors, cette détention ! Ils t'ont bien traité les teutons, j'espère ! Hey, j'ai entendu dire que tu avais fait fureur là-bas ! Il t'adore, libéré sous les hurrahs, tout ça. Et en tout cas, tu as eu tout ton temps pour composer plein de chansons. C'est positif, ça, non? Oh, tu as appris que Saladin est mort à peine quelques mois après ton départ. C'est ballot, ça, quand même. Tu serais resté un tout petit peu plus et c'était pile poil le bon moment pour reprendre Jérusalem. C'est con, ça, non? Hein? Espèce de salopin! Tu crois que je sais pas que t'as arrosé l'empereur de pognon pour qu'il me laisse croupir un peu plus longtemps? Hein? Et la Normandie, qu'est-ce que tu manigances avec mon frère depuis 2 ans? Tu vas me la rendre, ma Normandie, sale borgne! Mais calme-toi, il y a méprise! Mais c'est toi que je méprise! Oh. Judas! Moi, traître, eh oh, c'est pas moi qui ai fait copain-copain avec Saladin! Ouais, mais si tu t'étais pas barré en pleine croisade pour mieux me dépouiller, on l'aurait repris, Jérusalem! Lâche-moi! Au secours! Débarrassez-moi de ce sodomie! Pas le visage! Non! Quel acteur choisi, c'est parfait! La face du gars s'est fait dévisser! Lors de notre dernier séjour en prison, donc voilà. Excuse-moi, je vais rattraper les faits. Ça va bien. Donc, à la fin du 12e siècle et au début du 13e siècle, on a effectivement, donc vous avez vu tout cet empire que les Anglais avaient en France, et on a un projet de reconquête pendant la troisième croisade, un peu le roi de France a profité de l'absence du roi d'Angleterre qui est en croisade pour reprendre la Normandie. Et faire affaire avec Jean Sans Terre, le dernier fils du roi d'Angleterre et le frère de Richard. Le frère de Richard. Je recommence. Jean Sans Terre, qui était le dernier fils du roi d'Angleterre précédent, donc le frère de Richard. De Richard. Mais le roi de France a essayé de dealer avec Jean Sans Terre pour dire on se débarrasse de Richard, toi tu deviens roi d'Angleterre, puis moi je reprends la Normandie. Donc, on peut y aller. Sacrément de shit show, pareil. Hein? Puis ça, c'est pendant. C'est pas pour rien que là, qu'il s'est levé pour te le tabasser. Là. Ouais. OK, c'est bon. En France, nous avons laissé les Capétiens en piteuse forme face à l'ascension des Plantagenets. Cela dit, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Outre leur suzeraineté héritée de l'époque carolingienne, les Capétiens bénéficient aussi d'une économie particulièrement prospère. C'est la famille royale française. Okay. L'essor des royaumes scandinaves et de l'Angleterre a provoqué l'expansion du commerce sur la mer du Nord. Le comté de Flandre est le premier à en bénéficier. À partir de la laine anglaise, il commence à confectionner des draps qui s'arracheront dans toute l'Europe au prochain siècle. Plus au sud, le comté de Champagne se retrouve au carrefour des routes commerciales. Celles qui connectent la mer du Nord à la Méditerranée et celle entre la France et l'Allemagne. C'est le début des foires de Champagne qui deviennent l'une des principales plaques commerciales de l'Europe. Lorsqu'il monte sur le trône de France en 1180,
Philippe Auguste a pleinement conscience de ses atouts. Il doit très vite gérer un événement de la plus haute importance. La prise de Jérusalem par le sultan d'Égypte Saladin en 1187. 2 ans plus tard, Philippe Auguste participe à la troisième croisade aux côtés de l'empereur germanique Frédéric Barberousse et du nouveau roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion qui vient tout juste de succéder à son père. Un sacré trio. Signe de la richesse croissante de l'Occident, c'est la première croisade lancée par voie de mer, ce qui nécessite une flotte immense. Malgré ça, le fiasco est presque aussi grand que lors de la précédente. Certes, les croisés en profitent pour prendre Chypre, mais ça se fait aux dépens de l'Empire byzantin, c'est quand même pas très chrétien. Jérusalem n'est pas reprise, Frédéric Barberousse se noie dans une rivière, et Richard Cœur de Lion est fait prisonnier à son retour. Son frère Jean Santerre en profite pour s'emparer du trône d'Angleterre. Mais comme il a du mal à imposer son autorité, Philippe Auguste en profite pour s'avancer en Normandie. Merci, brother. La libération de Richard provoque une guerre à Troie particulièrement sanguinaire qui finit par miner l'Empire plantagenêt. La mort de Richard en 1199 ouvre les portes de la reconquête française. Philippe Auguste conquiert la Normandie, restaure sa suzeraineté sur le duché de Bretagne et récupère l'Anjou et le Maine. Ok, ah ouais. Finalement, Jean Santerre ne conserve plus que l'Aquitaine. Tellement grand délai que c'est rendu jusqu'au bout. Puis c'est au tour du comte de Toulouse de trembler face à la France. Là, on est en 1299, le pape lance là, on arrive à notre les Cathares, date. Qui se sont beaucoup multipliés dans le Midi. C'est le seigneur Simon de Montfort qui prend rapidement la tête de la croisade. Ses exactions sont telles que le comte de Toulouse et le roi d'Aragon, pourtant ennemis séculaires, finissent par s'allier contre lui. En vain. Piccolo, puis en 1213, ils subissent une défaite décisive à la bataille de Muret. Finalement, toutes les terres toulousaines tombent dans l'orbite de la France, sauf celles qui appartiennent au Saint-Empire. Celles-ci deviendront bientôt le comtat venaisin. Cela dit, il faudra quand même du temps avant de mater la résistance dans le Midi toulousain. Cette nouvelle puissance de la France effraie l'empereur germanique Othon IV, qui s'allie à Jean Santerre en 1214. Mais leur coalition est écrasée par la France le 27 juillet à la bataille de Bouvines. Ça marque symboliquement le retour du royaume de France au premier plan, résultat du règne exceptionnel de Philippe Auguste. Ça, c'est juste une chicane de frère, dans le fond. Si j'avais gaulé ça autrement, la vie serait tout à fait différente. Là. Absolument. Avant de te passer la poque encore, je veux juste saluer notre chum, Caléo Daguin, qui a gaulé hier dans le Mercronspi jusqu'à très tard. Puis vraiment, ton analyse en début de l'éditorial de Stéphane hier m'a fait beaucoup de bien. Merci pour ta candeur. Désolé, j'ai rien à dire sur l'Ukraine. Oui, ça a été tout à fait pertinent. Ça a été tout à fait pertinent. Donc, on y retourne. C'est... Là, on est en 1199. Là. On arrive on est rendu à notre date, 1214. Ah, OK, ben là, on est rendu. Là, on est rendu. On peut continuer. C'est... Catholique survolté, l'Orient orthodoxe semble bien moribond. Dans le prochain épisode, on va assister à l'effondrement tragique de l'Empire byzantin. Non, mais c'est, pas, oui, c'est parce qu'il n'était pas supposé succéder, parce que c'était son frère qui succédait. Donc, d'où le nom. Ouais. Chut, il y avait des bonnes caméras dans ce temps. Ah non, 2018, OK. Jean Santerre, certainement un roi mal aimé. Je pense qu'il y a à la fois une question de personnalité qui n'est pas simplement une projection des historiens. C'est quelqu'un qui a peut-être peu de charisme, qui, dès l'époque, auprès de ses contemporains, suscite un certain nombre de réserves. Est-ce que c'est bon des universitaires pour insulter Quelle a pu être sa personnalité. Il a certainement souffert de la comparaison avec son père, avec l'ensemble de ses frères, pas seulement Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, en plus, a l'aura du croisé, il est allé en croisade, donc Richard Cœur de Lion n'est pas toujours recommandable. Mais quelles que soient ses actions, il finit par rencontrer l'approbation, ce qui n'est pas le cas de Jean. Donc je pense qu'il y a une question de personnalité. Il y a aussi un certain nombre d'erreurs qu'il commet, tout simplement. Et puis, il y a les circonstances de son accession au trône qui, à mon avis, sont décisives. Et c'est ça
qui rend son règne faible. Alors je pense que c'est un règne qui est caractérisé par, on peut penser, trois grands problèmes. Alors le premier, c'est la question du patrimoine plantagenet, donc ces immenses territoires qui en France sont tenus du roi de France et que Jean Santerre perd en grande partie à la suite de la confiscation opérée par Philippe Auguste. Le deuxième grand problème de son règne, ce sont ses relations avec l'Église, avec la papauté, parce qu'il commet la maladresse de ne pas traiter avec le pape Innocent III quand celui-ci lui impose l'élection de l'archevêque Étienne Langton à Canterbury. Et le conflit s'envenime, traîne en longueur. Le pape finit par jeter l'interdit sur le royaume d'Angleterre. Et Jean Santerre, pour résoudre cette crise, décide, alors ce que certains historiens interprètent comme une réussite, mais je pense que c'est plutôt une faiblesse et c'est comme ça que ça a été perçu à l'époque, il décide de remettre l'Angleterre en fief à la papauté en 1213. Et puis le troisième grand problème du règne, enfin le troisième fait marquant, ce sont ses relations avec les barons qui sont désastreuses, hein, c'est-à-dire qu'il a un cercle de fidèles, mais un cercle relativement étroit, et les barons se conjuguent leurs efforts contre lui, se rebellent pour des motifs à la fois personnels, des motifs fiscaux également. Alors le gouvernement des Plantagenets est un gouvernement très dur au point de vue fiscal. C'est pas seulement le cas de Jean Santerre, c'est également le cas de ses frères et de son père. Et les barons se refusent en fait de servir en France, de le soutenir dans ses efforts dans le Poitou, et finissent par rassembler, par composer un mouvement contre lui, et c'est ce mouvement qui amène à la rédaction d'un texte que les barons soumettent en juin 1215 à Jean Santerre. C'est ce texte qu'on va appeler plus tard la Grande Charte, qui est le texte majeur des libertés anglaises. Et alors, de manière assez paradoxale, c'est un roi impopulaire, un mauvais roi, et qui a laissé une trace considérable dans les institutions anglaises, dans la mémoire anglaise, et une trace très positive. Donc c'est à la fois un roi sans doute cruel, assez tyrannique. En même temps, on comprend que quand il est aux abois, il prend des décisions qui sont assez dures. Et puis en même temps, c'est un roi dont le legs a été relativement positif. Donc voilà, on peut pas. Et même les contemporains ont du mal à le juger. Hein. Certains, beaucoup le condamnent, mais certains sont prêts à réhabiliter une partie de son action. C'est Johnny Landless. Que parce qu'il avait mal le contrôle de toutes ces shit, il a dit « Ben là, aidez-moi à vous aider. » Je veux répondre à une question de Clovis. Merci Clovis de ta question. Il dit « Ça serait cool de distinguer baronnie, duché et comté. » c'est une question intéressante parce que si on a, vous avez des, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Crusader King dans la salle, mais on a souvent l'idée de quelque chose de super hiérarchique. T'sais, on a les duchés, les comtés, les baronnies, puis il y a quelque chose de très structuré. En réalité, les titres de comté, il y a quelque chose d'un peu chaotique, dans le sens que quelqu'un à quelque part va se dire duc, va avoir une puissance importante, un comte à quelque part va avoir un comté important. Ouais, c'est pas à partir de 1000 soldats permanents, tu deviens. C'est le chaos féodal. Ouais. Donc, souvent, c'est juste une question de langue. Par exemple, duc, ça vient de dux en latin. Ça veut dire chef, souvent chef de guerre. Parce que tous les seigneurs sont originaires de chefs de guerre. On en a parlé tantôt, que se sont forgés des territoires à cause de leur capacité à protéger le territoire. Mais donc, dans certaines régions, ils se sont appelés comme ça. Dans d'autres régions, le grand seigneur, il va se faire appeler un comte. Donc, il n'y a pas. C'est plate ma réponse, mais il n'y a comme pas vraiment de cohérence. Je trouve que c'est une réponse le fun, au contraire. Éventuellement, surtout à la fin du Moyen-Âge, quand les rois vont avoir plus de puissance, on va commencer à avoir des structurations plus. Mais en fait, plus on va avancer vers une noblesse symbolique. Plus on va avancer vers une noblesse symbolique, plus là, tu vas avoir des choses bien cute, là, genre les duchés en haut, puis les comtés. Puis... Mais c'est ça. Voilà. S'il n'y a pas de pouvoir central, ben, ouais. Chacun fera ce qu'il veut. Là, tu sais. Donc, on arrive, et tout ce qui précède, hein, c'était pas pour rien. Là, hein, je pense que ça nous menait bien
à tout ça. Donc, déjà, j'ai parlé d'un système décentralisé où il y avait toujours une tension entre centralisation, genre les vassaux qui en veulent plus, puis le roi qui veut centraliser. Ouais. Donc là, on est pile exactement à ça. Donc, on a Jean Santerre qui a succédé à son frère Richard, qui était très populaire, mais Jean Santerre est très peu populaire. Donc, on a des vassaux qui étaient déjà agités à cause d'une multitude de taxations impopulaires, notamment, ça a été mentionné tout à l'heure, la dîme saladine, qui était la taxe qui avait été levée pour la croisade par Richard, qui avait été une taxe extrêmement... Il faut comprendre que le concept de taxe, à l'époque, c'est pas quelque chose que tu payes à tous les années ou à tout le temps comme aujourd'hui. Une taxe, c'est... Tu lèves une taxe, c'est quelque chose qui est occasionnel. Donc, tu peux ne pas lever de taxes pendant 10 ans, puis tu peux en lever 3 pendant la même année. Tu sais, c'est... OK. Donc, c'était des vassaux qui étaient déjà agités à cause d'un certain nombre de taxations et des taxations royales qui étaient de plus en plus intenses à cause de tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire quand j'ai dit que le roi devait vivre du sien, c'est-à-dire qu'il devait s'arranger avec l'argent qu'il avait. Ben ça forçait les rois à imposer de plus en plus de taxations pour défendre le territoire, assurer une administration qui est en train de se construire autour des rois. Ben oui. Puis aussi tu veux en enlever à d'autres pour qu'il y en à tes sujets pour qu'il y en ait pour pas qu'il y en ait un qui en ait plus que toi. Notamment, effectivement. Donc je l'ai dit, en plus tu as des expéditions militaires de plus en plus longues et coûteuses et que gens des services militaires plus longs parce que tu sais, on a parlé de la conquête de Philippe en France. Ouais, mais ben, on a vu Jérusalem en bas à droite, c'est quand même pas à côté. Puis il faut du monde, puis les seigneurs... Ça... Parce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit au début, quand le roi lève l'armée, quand il va aller se battre, il lève l'armée de ses seigneurs. Donc ça dépend du consentement de ses seigneurs de bien vouloir aller se battre. Ouais, théoriquement, ils sont obligés d'y aller, mais ça c'est théoriquement. Se tenir la main puis se donner des becs tantôt, c'est supposé marcher. Puis surtout que... ça leur tente pas d'aller se battre en France parce qu'ils voient pas vraiment, on s'en crisse, là. Nous autres, on est des seigneurs anglais, quand même que tu gardes la France ou pas, nous autres, ça nous concerne pas vraiment. C'est des... De toute façon, c'est théoriquement, ça appartient au roi de France parce que... C'est ça. Donc, voilà. Ouais, c'est logique en crise. Donc, la perte de la majorité des possessions continentales, surtout de la Normandie, ce que je veux dire, c'est que ça contribue à décrédibiliser le roi. T'sais, ça fait pas perdre comme quelqu'un qui est faible. Parce On l'a vu, Philippe, tantôt, qui retournait chercher du château. Oui, c'est ça. Exact. on a un roi, on voit un roi autoritaire, colérique, voire tyrannique, là, les sources le montrent, qui pétait des coches, en fait, contre le monde, contre ses vassaux. Il pétait des coches contre ses vassaux qu'il n'aimait pas. Ah ouais, un mauvais boss. Là. Ouais, ouais, il pétait des coches. Puis, ben, quand tu commences à péter des coches contre des gars qui ont des. Ton armée. Ben oui. Souvent, quand vous parlez, tu lui demandes des affaires en plus. Là. C'est ça. Ça se peut qu'il crache dans tes yeux. Ouais, c'est ça. Un entourage mal aimé, il est en train de se construire. Tous les rois au cours du 13e siècle se construisent de plus en plus une petite administration parce que leur pouvoir commence à s'étendre puis le pouvoir des seigneurs commence à décliner. Mais donc, lui, il y a un entourage qui est très mal aimé. Notamment, lui, il y a un système de... En fait, c'est l'histoire de Robert des Bois. Ouais. Lui, les rois d'Angleterre s'entourent de ce qu'on appelle des shérifs, qui sont en fait des envoyés du roi, qui sont envoyés pour faire respecter la loi du roi. Sa milice personnelle. Un peu, si on veut. C'est des espèces de policiers/administrateurs que le roi envoie un peu partout pour imposer des lois ou imposer ses décisions. Mais ils sont connus, ceux de roi Jean Santerre, d'être particulièrement cruels puis d'être particulièrement peu accommodants. Qui se ressemblent, ça sent! Ben c'est ça. Et je l'ai dit, un régime qui tend à se centraliser et à se bureaucratiser, on commence à voir la naissance de monarchies de plus en plus centralisées. Puis ça fait chier les seigneurs. Conflit avec l'Église, qui est alors justement à l'apogée de sa puissance. On dit souvent, c'est la Magna Carta, c'est en 1215. En 1215, on a aussi le concile de Latran IV. Les conciles, c'est des grandes assemblées de l'Église, d'évêques. Et Latran IV, c'est un peu considéré comme le grand moment du Moyen-Âge, qui est l'apogée de la puissance de l'Église. Okay. C'est le palais du Latran, c'est là que le pape était à Rome. Okay. Oui, c'est le quatrième concile de Latran. Okay, c'est ce que j'aurais dû le dire comme ça. Oh non, mais c'est correct. Donc, ça a été mentionné tantôt, là, le roi, on est à une époque où c'est le pape qui décide qui est évêque d'où.
Ben, on l'a entendu tantôt, Canterbury, là. Exactement. Puis le... il a décidé de lui chier dans la pelle. Voyons, Johnny. Ouais, c'est ça. Il a dit non, non, tu nommeras pas Stephen Langton comme évêque. Puis là, à cause son de dernier ça... album, il est même pas bon. Exactement. Il reviendra jamais. Puis, à cause de ça, le pape, c'est fort, là, le pape a jeté l'interdit sur le royaume d'Angleterre. Ça veut dire qu'il interdit les messes à se célébrer partout en Angleterre. Ben là, il vient de jeter quand même un bébé avec l'eau du bain, là, c'est... Non, non, mais je veux dire, c'est fort. Ben oui, c'est fort. Moi aussi, je trouve que c'est fort. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui n'ont fait pareil. C'était bête. Non, mais dans une société où l'Église, c'est l'élément ben, central... Ben, je comprends, là, c'est grave en crise. Donc, c'est essentiellement condamner à l'enfer la totalité du royaume. Mais ça devait aussi empêcher les baptêmes, les mariages, oui. Les funérailles. Théoriquement, oui. Hey, on vient d'en gagner des dimanches, pareil. Ben, remarque, finalement, elle va rester couchée le dimanche. Moi, je trouve pas ça super. Mais pour les gens d'une époque de très croyante, c'est quelque chose de très concret. Oui. Et qui touche vraiment et qui contribue pas à ce qu'on apprécie le roi. Parce ben, que ça, je comprends. On se dira pas c'est de la faute du pape, on va dire c'est de la faute du roi. Pas mal. Chaque point que tu me mets là, ça nous met un argument solide à devoir agir. Là. Mais le pardon des péchés, puis la rédemption, puis tout, là, il m'empêche d'aller au paradis, lui-là. Là. Exactement. Exactement. Tabarnak. Et on a à cette période-là, en plus, une mini-crise économique. Pour une multitude de trucs qui n'ont pas besoin d'entrer, mais il y a une augmentation drastique des prix causant une instabilité politique généralisée, ouais. Donc des révoltes paysannes à cause d'une augmentation. Quand le monde n'est plus capable de manger, l'étape suivante, c'est la révolte. C'est un convoi à Ottawa. Tu parles-tu d'inflation, toi, là? C'est... Non, non, mais c'est comme ça que les historiens l'appellent, là. C'est la grande inflation du 13e siècle. Oui, oui. J'y crois. Ouais, mais message à Trudeau, c'est dangereux. Puis, curieusement, vite fait, c'est-tu à cause des croisades? C'est une multitude de contextes, notamment une question climatique, une série de mauvaises récoltes qui a fait augmenter le prix du blé, des céréales. Ouais. Notamment, c'est le gros élément, là, une série de mauvaises récoltes. OK, voilà. OK. Qui a foutu à la marde. On peut continuer. Et là, on y arrive. Oh, baby! En 1214, une cinquantaine de seigneurs se révoltent. T'as ça qu'ils disent. Donc, ils tentent une multitude tentative de négociations. En mai 1215, les seigneurs révoltés prennent Londres. Donc là, on a un littéral convoi de la liberté. Ben effectivement, on est à l'Ottawa, on est ici. Sauf que le problème, c'est que les seigneurs en question, ils ont des armées, eux autres. Fait que c'est ça. C'est moins de spa, plus de lames, là. C'est ça, exactement. Et donc, là, c'est à cause du système féodal que j'évoque depuis le début, c'est le roi, il dépend militairement de ses seigneurs. Si ses seigneurs se révoltent... Si les 50 sont en avant de lui, en train de chialer, il peut pas dire « Hey, toi, il tape dans lui! » Non, non, c'est, ben, ça marchera pas. Donc, en juin, le roi n'a pas d'autre solution que d'accepter leurs revendications qui sont contenues dans un grand texte qui s'appelle la Magna Carta Libertatum, c'est-à-dire en français la Grande Charte des Libertés. Charte au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment d'équivalent là, d'un mot en français, mais une charte, c'est un document officiel qui octroie un droit, généralement. Okay. Aujourd'hui, on dirait un permis. Genre, ça pourrait être, c'est un mix de permis, de diplôme... document officiel transmis qui donne une autorisation, quelque chose comme ça. Voilà. Y avait-tu d'autres choses que des chartes, que des cartas dans ce temps-là? T'as les diplômes. Ah, OK. Ça okay. Sont des reconnaissances officielles. C'est ça. Qui existent encore de nos jours. J'ai remarqué ça. J'en ai un en angiologie. Ouh! On peut continuer. Tu sais comment c'est beau? C'est écrit en lettres attachées puis tout, hein? C'est... Oui. Tabern. OK. Les articles contiennent... texte contient 63 articles. Premièrement, le premier article reconnaît les libertés de l'Église. Là, il faut comprendre quelque chose, puis ça va être important pour ce qui est lié aux souverains. Les souverains, ils regardent le texte, puis ils disent hey, « ça parle de liberté! »« Liberté! J'aime ça, moi j'en veux! » Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, liberté, ça veut pas dire liberté au sens où on l'entend depuis l'époque moderne, c'est-à-dire liberté avec un grand L, c'est la liberté. Ouais, 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 ouais. Liberté, c'est avec une minuscule et au pluriel. c'est la liberté, c'est la charte des libertés en latin, c'est au pluriel, libertatum. Les libertés au Moyen-Âge, c'est plus un privilège octroyé. C'est-à-dire que le fait que les seigneurs peuvent prélever des taxes, ce sont des libertés qui sont données aux seigneurs. Okay. Ce sont des privilèges qu'ils ont.
C'est un petit peu comme les pouvoirs, peut-être. Ouais, okay. Ouais, mais ça peut être ou bien des privilèges ou bien des pouvoirs, dépendamment de qui on parle, dans quel contexte. Voilà, libertés. Mais c'est ça, liberté, c'est la liberté d'imposer quelque chose à quelqu'un d'autre, si ouais, je peux ouais, dire. Ouais, je comprends. Mais il faut pas l'entendre avec un grand L, et c'est un élément que les souverains passent vite. Ah, déjà, il peut avoir une mécompréhension. Il voit liberté, puis ça, c'est la liberté. T'as moyen aussi. Non, mais c'est liberté au sens médiéval, ça veut dire autre chose. Ouais, est-ce qu'on pourrait utiliser le mot droit aujourd'hui? Ouais. Okay. Droit, mais c'est parce qu'on n'est pas d'une société légale de privilèges aujourd'hui. C'est difficile à comparer parce que théoriquement, nous sommes tous égaux et libres en droit. Ouais. On est dans une époque où les libertés garantissent les droits de gens qui sont supérieurs aux lois, qui sont supérieurs dans la hiérarchie sociale. Okay. Ouais. Théoriquement, on est tous égaux en loi. Ouais. C'est pas le cas dans cette période-là. La liberté, ça concerne lui qui est pas égal en droit. OK, ouais, je comprends. C'est ça. Donc, premier article qui reconnaît les libertés de l'Église. Au Moyen-Âge, quand on parle de liberté de l'Église, ça veut dire l'indépendance de l'Église. Ça veut dire le droit de l'Église de nommer ses évêques. Le problème avec Stephen Langton qui n'a pas été nommé. Donc ça, c'est ce qui a été imposé par l'Église. Puis on dit d'ailleurs, Stephen Langton, c'est l'un des co-rédacteurs de la charte. Ah ben! Donc voilà. Objectif match! Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est comme tu nous montrais tantôt, le droit... Reconnaître le droit de l'Église de gérer l'Église. Par eux-mêmes. C'est ça, OK. Et reconnaître aux Églises d'imposer leur... Parce que l'Église a ses propres taxations. T'as la dîme, ce qu'on appelle aujourd'hui la capitation, là, mais la l'Église a des taxes à elle. L'Église a des seigneuries à elle. Il y a beaucoup de seigneuries qui sont les possessions de l'Église. Ouais, 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 notamment ouais. Les monastères possèdent beaucoup de terres. Ouais. Et là, ça reconnaît le droit à l'Église d'être des seigneurs et de gérer leurs terres comme ils veulent. Je comprends. Peut-être une question complémentaire. Est-ce qu'à cette époque-là, les prêtres avaient le droit de se marier ou c'était... Non. Justement, pour peut-être garder le patrimoine. Non. En fait, non, justement, c'est l'un des grands avantages de l'Église, c'est que les gens qui runnent les seigneuries n'ont pas d'enfants. C'est ça, c'est Et c'est parfait parce que ça revient à l'Église. C'est ça, je voulais dire. C'est-à-dire que c'est super facile à l'Église d'engranger avec le temps des terres énormes de parce qu'il n'y a pas de fils à qui donner. Ça revient à l'Église. T'as 63 moines qui travaillent et t'es shit à temps plein. C'est ça. Exactement. Ouais, OK, voilà, OK. Et là, on connaît les articles 2 à 14. Là, je passe pas tous les articles, mais les plus importants, les articles 2 à 14 concernent la taxation. C'est un des gros enjeux. Les seigneurs veulent être moins taxés par le roi. J'ai entendu dire ça. Les articles... Et là, c'est quelque chose qui est important, je vais en reparler. Tout ça, là, ça ne concerne que les barons. Il n'y a rien là-dedans qui parle de droit du paysan. Là. Oh my tabarnak, pour vrai? C'est pas la charte du peuple, là, de la grande loi. C'est juste peuple, une là. Gang de 63 lieutenants choqués qui voulaient avoir une nouvelle convention collective. Ça s'applique de fait à tous les aristocrates. Je comprends, trickle-down. Mais de fait, il n'y a rien là. Il y a certains articles qui vont concerner, je vais en parler, les freemen. Et là, ça va être repris par les freemen on the land. Et je vais y revenir. OK. Les articles 17 à 22 concernent l'administration de la justice. Les articles 23 à 31 concernent le gouvernement local et les agents royaux. Donc, par exemple, de run tes shérifs pour qu'ils arrêtent de tuer des innocents, genre, ou c'est ça. Et l'article 61, le fameux article 61, est une garantie de sécurité. Je vais y revenir. Ici, j'ai mis un extrait, préambule au deuxième article. Je te laisse la lire. Nous avons également accordé à tous les hommes libres de notre royaume, pour nous et nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés écrites ci-dessous à être détenues et conservées par eux et leurs héritiers, de notre part et de celle de nos héritiers. Le concept d'homme libre, je vais y revenir, mais la quasi-totalité des articles concerne ce qu'on appelle traditionnellement les barons, c'est-à-dire les seigneurs qui possèdent des terres. Mais certains articles vont concerner les freemen. Freeman, ça implique quelqu'un qui n'est pas attaché à sa terre. Ce qui concerne à peu près... Il y a à peu près 40% de la population qu'on peut considérer comme des freemen. À cette époque-là, ouais. Quand ils ont écrit ça. Comment devenait-on freeman? Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup de paysans qui vont être libérés de leur état. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une époque où l'esclavage n'existe pas. Mais où il y a là... Il appelle ça mordi, l'esclavage. Laisse-moi finir. Il y a pas de... L'esclavage n'existe pas, mais il y a le servage. Okay. Le principe du servage, c'est que le paysan, il n'appartient pas à son maître comme un esclave de l'Antiquité, mais il est attaché à la terre. Et la terre appartient à... Au maître, exactement. Et la terre appartient au seigneur. Ouais. Donc, le paysan ne peut pas quitter sa terre
Il peut pas aller habiter ailleurs parce qu'il est attaché à sa terre. Il doit payer. Mais certains vont être libérés, peut-être parce que, tout simplement... on ne produit pas assez de nourriture cette année. Exactement, vont être libérés. Ou tout simplement parce que il y a des seigneurs qui sont chômés. Il y a des mouvements de libération de serfs. Aussi parce qu'un un serf, il n'y a pas beaucoup de mobilité. Il ne peut pas acheter de terre. Des fois, ça peut être rentable d'avoir des paysans libres qui sont libres de s'accaparer plus de terre par eux-mêmes. D'aller faire plus de commerce aussi ailleurs peut-être. Exactement. Pour amener d'autres. Il y a aussi des paysans qui sont... entre les deux, on appelle ça des censitaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à la terre, mais qui doivent des redevances au seigneur, donc ils ne possèdent pas leur terre en propre. En gros, c'est la terre du seigneur qu'ils cultivent. Ils ne sont pas attachés, ils pourraient partir. Mm-hmm. Mais tu vas où? C'est ça. Donc, ils doivent des redevances au seigneur. Ça, ils ne sont pas toujours considérés comme des hommes libres. Souvent, ce qu'on va qualifier d'hommes libres, ça va être les gens qui vont vivre en ville. Ça se peut-tu que les gens de métier soient plus des hommes libres? Exactement, c'est là que je m'en allais. OK. Donc, généralement, les artisans, c'est pour ça que j'ai en ville, parce que généralement, les artisans sont plutôt en ville. OK. Mais oui, effectivement, les artisans vont souvent être considérés comme des hommes libres, et c'est pour ça un peu que les commerçants, généralement, sont des hommes libres. Donc, voilà. Mais en Angleterre, à peu près, donc, ça concerne, si mettons, on additionne l'aristocratie qui concerne à peu près entre 5 et 10% de la population, et, mettons, un 30% d'hommes libres, d'artisans qui vivent dans les libres, ou bien des paysans libres, et le reste ne sont pas considérés comme des hommes libres. Okay. La charte ne les concerne absolument pas. Donc, voilà. Petite gang de douchebags. On peut continuer. Hi, welcome back. Today I thought I'd talk about... Là, malheureusement, il va y avoir quelques vidéos en anglais parce que c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup traité en français, notamment quand on concerne les citoyens souverains, ça a peu intéressé en français. Donc, il va y avoir quelques vidéos en anglais, j'en suis désolé. On a ici un avocat anglais qui parle du rapport de la Magna Carta et des souverains. Hi, welcome back. Today I thought I'd talk about the much-loved debate about the Magna Carta, freemen of the land, and whether any of these arguments actually hold water today. But first of all, if you're new here, please do like, subscribe, and hit the bell icon so you get notifications of new videos. And first of all, following my story about the fictitious couple, Mr. and Mrs. Green, and their leaky roof, I've had lots of interesting names for this fictitious land in which to base all of these scenarios. We've had suggestions including Lorchester, My Lordingham, Barrister Bridge, Litigation Place, Rouge World, Falsingham, and Merci. Fake Chester. I think there's lots of great names there, so drop your preference Merci, in the comments bébé, below, and I'm going to choose the most popular one for the next fictitious story where I talk about legal principles. So over the lockdown, you've no doubt seen in various news articles and social media sites this message that's been popped up on various businesses' windows throughout the lockdown, whereby they refused to close down, citing the Magna Carta as a reason. So in essence, and if you don't know what I'm talking about, lots of businesses throughout the lockdown put up a sign in their window quoting Article 61 of the Magna Carta as the right to enter lawful descent if they believe that they are being governed unjustly. Si j'ai bien compris, là, c'est que pendant la pandémie, là, il y a du monde qui ont dit on s'en crisse des lockdowns, on utilise la Magna Carta, l'article 61, on garde notre business ouvert. Article 61, et je vais y revenir, mais qui donne théoriquement, selon eux, le droit de résister à une loi injuste. Si t'es un homme libre. Dans ce cas-là, si t'es un baron. And in any event, it no longer exists. And when it didn't give any general right to enter dissent or rebellion. The first Magna Carta was drawn up in 1215, but it was quickly declared null and void by the Pope because it interfered with the authority of the king, and a civil war broke out in England. After this, it was reissued in various different forms, and again in 1225, and this is the version that forms the basis of the common law that exists today. The contents of the Magna Carta was replaced by a statute book in 1297, but much of this has been repealed as well. OK, donc en gros, je vais y revenir, mais l'année suivante, immédiatement après que les barons aient quitté Londres, le roi a dit non...
non. genre, la meilleure carte, je la respecterais pas, oubliez ça, j'étais forcé. Pis... Là, il y a 50 qui sont venus chioler, ils ont c'est dit, ça. C'est notre nouvelle convention collective, c'est on ça. Verra. Là, il a dit, OK, ben oui, puis là, ils ouais. sont partis, puis là, quand ils sont partis, il fait fuck you, qu'on laisse m'en va chigner avec le pape. Je la respecterais pas. Il a contacté le pape, il a dit, yo, et le pape lui-même dit, non, le pape, le roi, il était forcé, et je lui autorise comme... spirituellement, ne pas respecter son engagement parce qu'il était forcé, ce qui n'était pas faux. Je comprends. Mais là, il y avait comme une espèce de beef entre le pape et le gars. Oui, mais ça, justement, ça a été réglé entre le... avec notamment contribuer la signature. Genre, okay. D'admettre Langton, parce qu'entre la chicane et le pape, il a fini par admettre. Johnny a fermé sa gueule. Langton, il a dit, on va te le prendre, il a fini par l'admettre, j'avais oublié de le souligner. Mais oui, la chicane avait été réglée entre-temps. Bon, t'aimes ça, le pape, c'est ton bord. Donc, et là, le pape a dit, non, c'est beau, t'as le droit de ne pas le respecter, puis il faut comprendre que d'un point de vue, là, il y a un élément quasi sociologique, c'est-à-dire que le roi tient à un certain ordre, le pape est attaché à un certain ordre social, et il veut que l'autorité des rois soit respectée. Et je comprends. Il considérait que l'article 61, sur lequel on va revenir, enfreignait le principe du droit divin et du roi à gouverner. Les autres étaient corrects. C'était le surtout 61. Surtout 61. Mais on peut continuer. 63 clauses in the original Magna Carta of 1215, but only four of these are still somewhat relevant today. Clause 61, which is what's being cited, was never included in any subsequent version of the Magna Carta. Oh shit! Là, ils l'ont réécrit en 55, en 77. Exactement. C'est que l'année suivante, il y a une nouvelle Magna Carta qui a été signée par. L'année suivante, l'édition 1216. C'est ça. Et il y a des éléments qui avaient été retirés, notamment l'article 61. Mais tabarnak, tu me niaises! Eux autres, les souverains, ils sont en train de triper sur une cossin qui existait pendant même pas un an dans un papier qu'un gars qui a été forcé de signer, que dès qu'il y a eu l'autorité nécessaire, puis les alliés, puis tout, il a c'est jamais revenu après. Ça a été en vigueur pendant un mois. Là, des milliers d'années. Ouais. Hey, c'est tabarnak, je suis à terre, man! Il y a du monde qui pense qu'ils n'ont plus d'impôts à payer à cause de ça. Puis ça concernait les barons. Les barons, oui, ben ça ne concernait pas. Ça concernait pas le peuple. Je vais l'expliquer plus loin exactement c'était quoi l'article. Là. Wow, OK, excuse-moi. Ah, ouais. Je viens de crever une bulle. Là. So what about the argument à quel point ils sont tout le temps dans le champ? The laws only apply if you consent to those laws. First of all, I should say there's been no instance of when such arguments have been held up in court. Although that's not to say that they haven't been made in court. And indeed, the courts have specific procedures to deal with such arguments as they arise. And all of these arguments are based upon the difference between common law and statute law. And the primary difference is about how these laws are created in the first place. In the simplest sense, common law is law that is created by decisions of a court when presented with a case and a set of facts. Whereas statutory law is written and codified law that is passed by the legislature and made by the government. Examples of such statutory law may incorporate many of the decisions that have been made by the courts over a period of time. It may include various bits of European law that have come in along the way. And the government codifies this law into a single body of law called an act, which starts its life as a bill, which is a draft document, and once this is approved by Parliament, it's given royal assent and it becomes an act of law. So let's break down some of the statements that are made on these documents that are put up in shop windows. The first one being, I do not consent. Now, whilst your consent is required to enter into a legal contract with another person or organisation, there is no principle in English or Welsh law that your consent is required before being bound by the laws of Parliament. A fundamental principle of our constitution is that Parliament is sovereign and it can make and unmake any law that it wishes. For example, see the Bill of Rights of 1688 and 89, the Act of Settlement 1701, the Claim of Right Act of 1689 for Scotland, the Acts of Union 1706 and 1707. All of these laws would be rather meaningless if a simple declaration by an individual meant that they didn't consent and therefore the laws didn't apply. And I'm afraid that's the case. You cannot simply refuse to consent to the laws of Parliament. Another statement on this document reads, this business stands under the jurisdiction of common law. Oh. Well, absolutely, yes. We live in a common law society. As I said earlier, common law is principally made of the decisions made by courts. But if Parliament
creates a new written codified law that disagrees with one of the decisions of a court, Parliament's law takes precedence. Another statement in this document reads, as the business owners, we are exercising our right to earn a living. Well, as we stand, there is no such right to earn a living, whether statute, domestic, international, or indeed common law. We may take a look at the EU Charter of Fundamental Rights, but the UK opted out of this charter as a member of the EU and is no longer bound at all post-Brexit. Another statement made on this document is, I'm under no obligation, nor will I answer any questions or give you any details. Now, generally speaking, yes, there's no general obligation for you to answer questions and to provide any details. However, this is going to change rather sharply if the police suspect that you have committed or are committing a criminal offence. Think COVID restrictions. There is a power under PACE, the Police and Criminal Evidence Act, to arrest you, to establish your details. And if you find yourself in this situation, I would highly recommend that you cooperate with the police, otherwise on a un exemple de quelqu'un qui a utilisé la common law récemment pour essayer de se sortir de la marde, puis même quelqu'un qui est dans le pays d'où ça vient, il dit ça n'avait pas rapport. Même quelqu'un qui vient du pays dans lequel duquel ça vient. Clause 13, relating to the City of London, permitting it to enjoy its liberties and ancient customs. And clauses 39 and 40, which ban arbitrary detention and provide for trial by jury. So as always, by no means is this a completely comprehensive video. There are literally books on the subject, but this is a brief overview if you've been wondering what such arguments are about, whether they hold any water, and what it means in relation to Acts of Parliament. I'm sure there'll be lots of questions and comments and perhaps potential for a follow-up video on a specific area of anything that I've touched upon, and indeed any other areas of interest. So with that said, don't forget to vote on the name of our fictitious land for my law stories, which as a reminder includes Lorchester, My Lordingham, Barrister Bridge, Litigation Place, Rouge World, Falsingham, and Fake Chester. Those are the names in so far. Drop your favourite in the comments box. We will all vote, and that will be the location name for our fictitious law stories. If anyone has the time and wants to do a lot more reading about this subject, because it will obviously open up lots of discussion, I will put all of the links of references. During the Donc, c'est une autre. Je sais pas si c'est le dernier vidéo en anglais que j'ai, que lui est un petit peu plus long. C'est le seul long vidéo que j'ai ce soir. C'est une. Elle s'appelle J'ai coupé encore. C'est une vidéo qui dure une heure et demie. Que je vous conseille à l'écouter, qui porte sur l'histoire des citoyens souverains. Oh, c'est une, une youtubeuse de gauche britannique qui s'appelle Mewncat. Je vous conseille, c'est un super bon vidéo. Moi, j'ai coupé juste les bouts qui m'intéressaient. M-I-O-U-N-E-4. Ben, il y a eu un moulout, là, mais tu devrais le trouver. Ouais. Ben, autant l'autre, il aimait faire du sport, elle aime faire de la musique. Ouais, ben, elle étudie en musique. Oh, il va. Pandemic, some businesses in the UK which were forced to close thought that they could display their favourite Magna Carta clause, number 61, in their shop window, and the police would just be Thanos snapped into oblivion upon reading it. And even up in Scotland, as recent as 2021, some Scottish sovereigns attempted to seize Edinburgh Castle, and by seize, I mean wander into castle grounds without a ticket, and quoting a chapter of the 1215 Magna Carta, which was written before the Acts of Union between Scotland and England, by the way. We are standing under common law today, and this castle belongs to us, we the people. You have no jurisdiction over us any longer. We've had enough of your fake acts and statues. We are taking this back. This belongs right, to the people. It's been hidden that Scotland holds the power. Scotland holds the power. You can't sit back and let everybody perish under this stupid legislation and fraudulent government tyranny. So let's just take it all back, not just the castle. Share it far and wide to let everybody know on your Facebook that we are taking our power back to the people. No more enslavement. But go off. I guess it was a nice day. You seem to have got a nice walk out of it. I hope you enjoyed the view. I'm sure the police really enjoyed the forced history lesson. Bring a fucking trebuchet next time. Honestly, they should have just let them cook. I personally would have loved to see Edinburgh Castle covered with live, laugh, love decals and converted into a tanning salon. And although somewhat small, the UK Freeman movement did attract a right-wing counterpart in England in the form of the White
Pendragons, a sort of pound shop Proud Boys, who attempted a citizen's arrest on London Mayor Sadiq Khan back in 2015. As the former... Ah, merci Doumbari. Et les MLM sur la chaîne ici. Ouais, elle fait beaucoup de débunker les mouvements chiqueux. Elle se bat beaucoup contre la sauce d'un point de vue de gauche. In this extremely coherent interview, one of them references the Bill of Rights 1668, which doesn't exist. We've got a Bill of Rights. The Bill of Rights 1668. Declaration of Rights. 1912. I think he means the Bill of Rights 1689, which this guy here calls our Constitution. I stand for our Constitution, for our rights. And asserts that it's still law because it used the word forever. We've got a Bill of Rights. The Bill of Rights 1668. Declaration of Rights. Ah, ça, c'est comme l'histoire du gars Magic. J'ai oublié son nom. Je vais la raconter rapidement. Moi, j'ai envie de la raconter là. Je vais vous la faire. Il y a une carte de Magic que quand elle est en jeu, tu peux pas perdre. Puis là, fait que le but, c'est de tuer ce monstre-là. Fait qu'après ça, tu peux gagner. Okay. Mais le gars, il a casté le monstre. Puis là, il a tué le monstre. Puis il a dit non, je veux pas. Parce que je peux plus perdre. Fait que là, les juges sont arrivés, puis il a dit, moi, je perds pas, je m'en vais pas, j'ai pas perdu, j'ai mon monde, je peux pas perdre, j'ai sorti mon monde. OK. Mais tu sais, il était supposé être mort, puis il était plus là. Excusez, là, ça a vraiment rapport. As non. A single written document, it's more of an amalgamation of acts and statutes than political conventions. An eaten mess of a political system, if you would. And the act they're citing here has been built upon by multiple subsequent acts. The law is not being upheld. The people are beholden to legislations and acts. And this lady is just itching to impress the journalist by reciting the entirety of the 63rd clause of the 1215 Magna Carta. Our Magna Carta clearly states in Law 63 that wherefore it is our will, we firmly enjoin that the Indian Church be free, that the men in our kingdom have and hold all the aforesaid liberties, rights and concessions for themselves, their heirs and our heirs forever. One which has long been repealed and pertains to the English Church's role in the feudal system. But go off, sis! Let her cook! Let her cook! Watch her go! C'est quoi, elle avait revenu en 1688 qu'elle n'avait pas le droit de vote. Elle n'était même pas baron. En plus, elle ne peut même pas. I think we need a history and law lesson, don't we? You thought you were going to come here to watch me get slightly tipsy and terribly poured beer while we laugh at some sovereign citizens getting their car window smashed in, but oh no, bitch! We're about to learn! Get the fucking green screen out! Back in the 12th century, us British didn't have written laws, bills and acts the way we do nowadays. Feudal lords would just settle individual disputes according to their opinion on how they should be settled. Say, as a hungry peasant, you stole a carrot from the lord's crop yield. He might sentence you to a small fine or to be hanged, drawn and quartered, depending on how much he disliked you or how much he liked that carrot. Of course, this meant that there were no consistent set of rules governing society, and it was a bit of a chaotic shit show based on the whims of the landowning elite. At least we sort of solved that, right? So in 1154, Henry II took the throne and started getting a little bit fed up with this judicial disarray. So he figured he would devise a system which would formalise these judgments across England, whilst collecting some nice little remittances for himself in the form of fines paid by naughty little carrot thieves. So Henry appointed some trusted judges to travel around England to settle disputes instead of the lords. These decisions would be based on previous decisions the judges had made on similar cases, so everyone would receive the same punishment for the same crime. A common punishment. Là, on est revenu un petit peu dans le temps, là, en 1150. Là. Je le gardais pour cette vidéo-là parce qu'elle le présente bien. Mais en gros, en 1150, le roi d'Angleterre a tenté... C'est là que vient le concept de « common law ». C'est donc l'idée qu'il allait avoir une loi commune à l'ensemble de l'Angleterre et qu'on allait recueillir les jugements de chacun des juges dans tout le territoire et qu'on allait en former un corpus commun.
Donc, c'est à partir de 1150 qu'on commence à former ce corpus-là. OK, il fait qu'en 1215, Il est déjà commencé, le corpus. Le corpus est déjà là. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le... C'est de la merde! Non, Pierre, pas ça. Ben ça, non, en fait, c'est plutôt cool. C'est ça, pas ce bout-là. Puis le roi, c'est ça qu'il a fait, c'est qu'on a en fait le signe d'un début d'une administration royale, parce que le roi a envoyé ses propres juges un peu partout sur le territoire pour avoir quelque chose de constant. Puis, je veux dire, il faut que tu fasses confiance au monde que ce qu'ils ramènent, c'est ça pour vrai. Peut-être que le monde là-bas, ils se sont dit, bon, ben là, le roi, finalement, il veut qu'on aille un update. Fait que il faut qu'on punisse tout le monde égal. Il va falloir qu'on arrête de tuer le village. Puis là, on rentre vraiment dans l'opposition entre le droit des seigneurs à juger par eux-mêmes et le roi qui arrive avec sa propre loi. En Angleterre, par exemple, le roi va plus rapidement qu'en France s'approprier le monopole sur la loi. Criminel pour le jugement avec des juges. Et puis ça penses-tu que c'est des affaires qui ont aidé à comme déstabiliser le règne de Johnny Landless qui arrivait. De toute façon, à l'époque de Jean sans terre, le système était encore à sa proto-naissance. Donc là je n'irai pas jusque-là. Okay. Mais il y a quand même les débuts d'une volonté d'établir, quand on dit common law, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ça ne veut pas dire une seule loi comme un code. Non, common, c'est pour tout le monde que ça veut dire. C'est common, ça. Dans le sens de commun plutôt qu'une loi, un code imposé, parce qu'on reste quand même dans un... C'est pour ça que je disais que la common law, ça venait du Moyen Âge, parce qu'on est quand même dans un système encore qui est très flexible, qui va varier de région en région. Puis on est dans un... Il faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde où c'est pas parfait. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, l'imprimerie, il n'y a pas d'imprimerie. Ça peut prendre 2 ans avant que tu apprennes qu'un village a décidé de... Exactement. Donc, pour les plus petits jugements, il n'y aura probablement pas une lettre qui va être envoyée au roi pour dire « lui, il a volé des carottes ». C'est ça. Ça va être peut-être pour les jugements d'une plus grande envergure, quelque chose qui concerne des gens plus riches, par exemple, ou évidemment des seigneurs, où là, il va y avoir davantage de discussions. Encore une fois, le paysan n'existe pas dans tout ça. Ben non. Il avait juste être un freeman ou meilleure chance la prochaine fois. C'est ça. On peut continuer. Under common law. At the same time, Henry was getting super fed up with this archbishop he'd appointed, Thomas Becket. At the time, the church had its own judicial system, one which would punish laymen with violent deaths, but if its own clergymen did the same crime, it was all right, because, like, God had asked them to do it or some shit. King Henry wanted to have judges subject to his royal court, so even clergymen were bounded by the laws that had been made by his appointed judges, travelling around the country. Becket wasn't too happy about this, but eventually agreed after loads of medieval bickering. Now, of course, with this being medieval England, it wasn't all happy common law utopia ever after. You see, Becket had agreed to this, but instantly regretted it. To cut a very long story extremely short, Thomas Becket ran off crying to the Pope, saying, "Why, the king made the church concede to royal law." And of course, the Pope was like, "Nah, mate, God is the real top G. We gotta stop this." And a bitter feud carried on between Becket and Henry until 4 of the king's knights literally sliced Becket's brain out of his skull. The original agreement was revoked, but nevertheless, over time, common law prevailed and Henry II had established a new judicial institution in England and even went on to introduce the concept of juries. This system worked all right for a while until a couple of kings later, King John came along and kept starting loads of expensive wars and losing them. Loser. The barons got fed up with paying for them, so they wrote up the Magna Carta and banded together to force him to sign it in 1215. It was basically the first ever agreement that said, hey, maybe the king shouldn't be able to just, like, you know, do whatever the fuck he wants. Maybe there should be some sort of agreement between, like, more people than, like, one. A bit like a parliament, but it wasn't a parliament yet. It was actually just 25 barons elected by other barons. And in much the same way, the king ran off crying to the Pope saying that he'd been made to sign it under duress. How very soft-sit of him. And the Pope was like, nah, I don't like... I mean, God wouldn't like this. Oui, c'est vraiment the king and his vraies bloodline have Moyen-Âge. The divine right to rule. Nothing to do with the fact that his relatives were the ones who happened to kill the most people. No! God gave this king his power, and he should be able to spend as much of the baron's money that he wants to kill more people to try and stay in power.
The power that he got from God. Yeah. And then the Magna Carta was repealed a whole 3 months later, and then that caused a load of civil wars. Yay! Look, my point is, the Magna Carta was merely the first attempt to take power away from the monarch. It didn't even work. After it was repealed, after 3 months, it was edited and rewritten bloody loads of times, and only 4 clauses of it remain to this day, and none of them have anything to do with lawful rebellion. No arbitrary detention, c'est quand même cool. Anywhere. You see, that's the thing about laws. You don't sort of write them down one time and then that makes them infallible for all eternity. Even if you use the word forever, they get changed, they get repealed, they get replaced, until they barely resemble their original form. A bit like the Sugar Babes or Simon Cowell's face. Do you understand now? No. In fact, if we were going to take the 1215 Magna Carta at its word today, for some reason, then no woman would be able to accuse someone of murder unless the victim was her husband. And on top of that, there was literally no mention of the serfs anyway. It literally protected the rights of 25 barons who were elected by other barons. No one else, not those little carrot-stealing fuckers, which is what you essentially are, sat there in your Ford Focus shouting about joinder to a policeman. You can blame J.K. Rowling for a lot of things, of course, but I also blame her for making people think that any words that sound a bit Latin-y have sort of mythical powers attached to them. Like, sovereign citizens think that they can just recite this 800-year-old document in front of a police officer, and all of a sudden they get fucking expecto patronumed. You're a sovereign citizen, Harry! Hagrid, you're pushing me over the fucking line. Common law still exists as part of our legal system. It's not a separate, secret law system that you can just unlock with a cheat code. Statutory law, made by an elected government and written and codified into acts, has actually been built gradually on top of common law. Which helps, because common law actually isn't all that consistent when you have a load of judges with their own sovereign brains making them up. Statutes can help fill in the gaps and codify common law, and they can also change any common laws that don't apply anymore. You know, like the ones we wrote in feudal times! Do they want to go back to when these laws were relevant? Is that what they want? For everyone to just jump in a time machine and turn the clock back 800 years when women were essentially subhuman and perpetually pregnant in the vain hope that the 13th kid you popped out would live longer than fucking 7 days, and you started grueling physical labour on the family farm at 12 years old before your entire family died of the bubonic plague, and everyone's piss and shit literally ran down a channel in the middle of the road that you lived on. Is that what they want? Because if so, fucking go on then. Go ahead. Take back control. We only really repeal laws if we need to, because it's a lengthy, complicated process. It's a bit like a house of cards. You don't want to go messing too much with the foundations in case it all comes crashing down. But Parliament in itself is, I'm sorry, sovereign and can absolutely abolish any law that derives from the common law system if it wants to, because it's elected by we, the people. And if a new statutory law disagrees with the common law, then that new codified statutory law takes precedent. So that's why we still technically have some archaic laws that are still in place, because it's too much of a bother to repeal them, and no one's really enforcing them anyway, because no one's really doing them anymore. Like entering the Houses of Parliament wearing armour, or firing your cannon within 300 yards of residential properties, or taking your cow for a walk in the daytime. We know you freaks only do that under the veil of darkness. Now, when we Brits went round colonizing people everywhere and telling them how they should run their countries, because we know best, we introduced English common law to those countries, including America. And because a lot of trade had started happening over the seas, Admiralty law became a thing, and us Brits used it to force American colonies to pay the stamp tax, which you weren't very fond of. So when America decided to be independent, the Founding Fathers modelled the Constitution after the English legal system based on common law. But it started lots of philosophical arguments and lots of compromises were made, but they basically cherry-picked the bits of English law that they liked. Put simply, your natural rights, or essentially your freedom to be left the fuck alone to do whatever you want to do. They're not protected by law, but they're the sort of philosophical buttery biscuit base that we built common law on top of. Freedom from interference.
Your common law rights, made by those judges I was on about, are the first layer. The cheesy sponge of man-made laws that were built on top of the buttery biscuit base of natural rights. Civil law, made by elected governments, is the lemon drizzle on the top. Does that make sense? Is that a good analogy? Or am I just hungry? And yes, legislation gets more and more complex all the time, but it's not some deep state cabal in cohorts with lawyers trying to bamboozle you. It's because humans are scheming little fuckers who like to try and find loopholes in regulations. And then those loopholes have to be plugged, and then they'll find another one, and another one, and another one. And soon enough, you have contract law, which evolves out of disputes from previous contracts. And then iTunes has 56 pages of terms and conditions you have to agree to, including one clause which makes you promise not to use their software to make nuclear weapons. Yeah, I'm sorry. I know how awesome it is to extract uranium ore to 99 Luft balloons. If the complexity of today's society, which has now gone through an industrial revolution, was still only reliant on a common law system, can you imagine the fucking chaos we'd be living in right now? It would be people going around saying, my common law rights dictate that I have the freedom to use genetically engineered four-year-olds to rewire the copper pipes in my asbestos-lined medicinal nuclear weapons to get ready to invade my neighbour because they didn't pay their grass growing surcharge. The law system is chaotic and complex, yes, but this is an attempt to create order in a chaotic and complex industrialised world. But all of these batshit beliefs that the Magna Carta is still somehow in effect has led people to literally post petitions on the Parliament website demanding they introduce an option to withdraw the consent to be governed for free beings who are not corporately owned entities. Another Tabarnak, c'était dense, effectivement, très sympathique jeune femme. Mion 4, je vous remets le lien vers le vidéo complet. Il y en avait une heure et demie. On vient quand même de revoir l'histoire en grand. J'aime ça aussi, le bifurcationnage par les States, là, parce que c'est pas mal là aussi que la doctrine conspirationniste, surtout comme Mais il y a eu une introduction du droit maritime là, dans cette vidéo-là. Peu. J'en parlerai pas aujourd'hui du droit maritime, là ça va au-delà de mes compétences. C'est là. Trop pur. Ouais, c'est ça. Moi, mais même moi, ma common law est plus pure que la tienne. Donc, ça a été dit largement, dès que les rebelles quittent Londres, Jean rejette la charte. Quelques mois plus tard, donc 3 mois plus tard, le pape Innocent III la condamne le document et excommunie les rebelles. Chose cocasse, notre seigneur de roi de Taïos, qui est un de mes préférés, moi, personnellement. C'est vrai, t'as ta poupée de Taïos, elle est magnifique. C'est Régis Lucius. Régis Lucius. Jean-Denis Boudreau. Premièrement, je tiens à souligner Jean-Denis Boudreau parce que ça a l'air à vraiment le mettre en tabarnak quand on dit qu'il s'appelle Jean-Denis Boudreau. C'est ton nom, Régis. C'est vrai. Bon, mais hey, c'est son nom qui a été donné par ses parents. Ouais. Il a jamais consenti. Ouais. Il n'a pas consenti à ça. Et il change son nom pour Régis Ier, comme d'autres décident de changer leur nom quand ils changent de sexe. Ah non, moi je m'embarque pas là-dedans. Et qui est donné par leurs parents, là. Non, je change de sujet immédiatement, si t'as pas d'objection. Puis il faut rappeler que Régis Lucius, c'est un nom qui vient de Final Fantasy XIV, je pense. Je pense qu'on avait dit 15, mais c'est un Final Fantasy, ça, on le sait. Puis ça me semble pique ridicule de prendre ton nom de roi. Tu sais, tu prends ça d'un personnage historique badass. Tu peux avoir un petit peu plus d'imagination que le jeu à la mode présentement ou le jeu que tu as. Bon, y a-tu des chocobos, Tim Scamming? Non. Si oui, j'y vais. Ah ouais, ils sont gros, ils sont poilus, ils ont des grandes cordes. S'ensuit une seconde de rébellion soutenue par le roi de France. Non, parce qu'immédiatement, quand tout ça s'est rejeté, les barons se rebellent encore. Ben, plein le cul. Puis cette fois-là, le roi de France, il dit « Ben, go, moi, je te supporte, mes les dudes. » En 216, la mort du roi Jean met fin à la révolte. Parce que c'est un enfant qui accède au trône, fait qu'on va se dire « Ben, il va être plus mou un peu, fait qu'on va se calmer. » Ah! La même année, la Magna Carta est promulguée de nouveau avec des articles en moins, dont la fameuse article 61. 61 n'est plus là. Tout au long du Moyen-Âge, ça a été dit, la charte sera régulièrement republiée, amendée. Ouais.
Et à la fin, ben, il ne restera plus grand-chose. Comme ça a été noté, la majeure partie des articles n'ont plus de sens aujourd'hui d'un point de vue purement contextuel, okay. Parce que ça relève du droit féodal. Ben oui, genre le cerf, il n'y a plus de cerf, ouais, il n'y a personne qui s'engage à l'école des cerfs pour devenir un cerf. Seuls 4 articles se trouvent toujours dans la loi britannique. On l'a vu tantôt, c'est quand même le fun, là, les arrestations arbitraires. Ouais. Mais moi, il y a quelque chose avant, là, je viens de comme avoir un petit déclic, là. Ceux qui trippent sur ce texte-là de sa première mouture, là, de pureté du début, du premier jet, qui ne peut pas être amélioré puis que c'est ça forever, là. Il y a vraiment comme un feeling de religiosité. Oui, que c'est Dieu qui a donné ce texte-là. Genre, puis là, c'est comme... les 10 commandements, ouais. C'est les mêmes depuis Moïse. C'est le même esprit, tout à fait. C'est ça. C'était des christofascistes, les premiers qui ont pensé à ça. Ils sont venus là-dedans. Ben oui, on l'a vu tantôt, Wilhelm, ouais. Le juif antisémite. Puis ben, bravo, en fait, champion. C'est là que je voulais en venir en parlant de Régis. La particularité de Régis, et j'ai essayé de trouver la vidéo en question, mais il l'a effacée, puis Pierre n'a pas réussi à la trouver. C'est que lui, Régis, c'est le seul souverain qui rejette la Magna Carta que j'ai vue. Ah! Parce que ça a été rejeté par le pape. Puis lui, Régis, il aime bien le pape. Pape before. Ce qui est bizarre parce que d'habitude, les souverains sont pas forts du pape, c'est plutôt ben des non, protestants. C'est ça. Ils sont les. Ouais, ils aiment beaucoup Dieu parce qu'ils sont les premiers juste après Dieu. Ils sont les premiers après Dieu. C'est ça. Mais lui, c'est un des rares souverains que j'ai vu qui était « Ah non, le pape a dit non, fait que... » C'est peut-être parce qu'il est classé sorcier puis il sait qu'il a besoin d'un bon mage blanc pour faire des cures. C'est pas fou. Fait qu'il veut garder le pape dans son team. Je l'aime, ton hypothèse. Là, je voulais ici donner deux articles, l'article 15 et l'article 30. Je te laisse lire. À l'avenir, nous n'autoriserons personne à prélever une aide auprès de ces hommes libres, sauf pour se libérer, pour adouber son fils aîné et, une seule fois, pour marier sa fille aînée. À ces seules fins, une aide raisonnable pourra être prélevée. Donc, en droit médiéval, une aide, c'est prélever de l'argent. C'est une taxe. Je disais tantôt parlait de liberté. La liberté. Mais je voulais juste souligner à quel point il y avait des éléments qui n'avaient plus de sens aujourd'hui. Ah. Mais il a le droit de taxer les gens pour marier sa fille? Oui, c'est un truc pour la dot. Oui, il y avait on levait des taxes pour les mariages d'enfants. Ah oui, c'est mais ça. Juste une fois. Ben, ça tombe bien, moi j'ai une fille aînée. Là, attention, le peuple de Joliette, j'arrive. Puis, on dit bien, dans ce cas-là, ça concerne les hommes libres. Donc le Seigneur, on dit au Seigneur, tu n'as pas le droit d'imposer à tes hommes libres des aides pour... De façon, des aides, mais à ne pas confondre avec taxe. Hein. Aide, c'est comme une taxe exceptionnelle. Je comprends. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Circonstanciel, c'est lié à un événement. C'est ça. L'article 30, je te laisse y aller. Aucun shérif, fonctionnaire royal ou autre personne ne peut prendre des chevaux, des chevals qu'on dit, ou des chariots pour le transport d'un homme libre sans son consentement. Donc là, on est encore dans un contexte où ça n'a plus vraiment de sens, là, les histoires de chariots. Puis de chevaux. C'est hyper contextuel. C'est ça que je voulais souligner avec ces articles-là. Ça, c'est quoi? Dans le fond, à l'époque, c'était la police n'a pas le droit de réquisitionner le chariot. C'est ça. C'est comme Mel Gibson qui arrive et qui dit « Tasse-toi, j'ai besoin de ton... » Ouais, mais là, ça marche pas. On s'en va à 26 minutes 30, si j'ai compris ici. Oh, wesh. Non, ça, c'est pas moi. Ah non, OK, c'est ça, c'est moi qui fallait qu'il découpe quelque chose. Je viens de retrouver un clip que j'avais perdu. Non, c'était pas moi. Non, c'était pas à toi, pantoute. C'est une connerie d'Alexis. Désolé, je suis désolé de ça. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en réalité, une majeure partie des articles proviennent... En fait, c'est ça, c'est que les souverains vont dire « Ah, la charte de 1215, c'est comme... » Va innover et apporte avec des éléments nouveaux, complètement nouveaux, puis donc c'est donné par Dieu. Mais en fait, beaucoup d'éléments étaient déjà présents. La charte juste les a synthétisés, si je puis dire. Comme notamment, une majeure partie des articles proviennent de la Charte des libertés diffusée en 1100. Les articles concernant l'administration de la justice proviennent pour la plupart de l'Assise de Clarendon, donc un texte publié en 1166. 66 ans plus tard, c'est comme tu disais tantôt, là, la commande là. Était en train de se construire. Était en train de se construire depuis une couple d'années. Mais la Magna Carta possède tout de même le mérite de remettre de l'avant des principes qui n'étaient pas toujours respectés et qui vont rester par la suite, dont les trois qui sont là. Je sais pas si quelqu'un a envie de le dire. On va laisser Sam. Oyez! À l'avenir, aucun fonctionnaire ne devra mettre un homme en jugement sur la seule base de sa propre déclaration non corroborée
sans produire des témoins crédibles pour en attester la vérité. Ça a l'air simple, mais c'est mieux de même. Hein? Ouais, c'est donc, mieux de même. Et là, c'est le seul élément du texte qui n'est pas mentionné des hommes libres. C'est juste des hommes. Donc là, c'est le seul article qui s'applique à tout le monde. Tout le monde. Sauf aux femmes. Non, les femmes aussi. Entendre femmes, tout le monde. Parfait, merde. Okay. Ouais. L'inclusif. Okay. Ouais, l'inclusif. Donc ça, c'est intéressant. Oui. On peut pas, en gros, on peut pas arrêter quelqu'un juste parce que moi, en tant que gars qui arrête, je décide que j'ai une bonne raison. C'est ça, Donc c'est l'interdiction des arrestations arbitraires. Voilà, c'est quand même cool ça. Ouais. Pis c'est très inclusif en plus. Ouais. C'est bien woke comme article. Donc, c'est à ton tour pour le deuxième. Aucun homme libre ne sera saisi ou emprisonné. Déjà, on a ramené l'homme libre, ouais. L'article d'après. Ouais. Ni privé de ses droits ou de ses biens, ni déclaré hors la loi ou exilé, ni privé de son statut d'aucune manière, et nous ne procéderons pas contre lui par la force, ni n'enverrons d'autres le faire, sauf par le jugement légal de ses pairs ou par la loi du pays. Donc, le caractère révolutionnaire de ce texte-là, c'est que, en fait, c'est le jury. Ça impose l'obligation d'être jugé par un jury. OK. Pour toutes ces causes-là. Donc, tu ne peux pas emprisonner quelqu'un sans le jugement légal de ses pairs. Ce qui est aussi très important. Ça change de quand c'était le... À la loi du pays. C'est pas coutumier. C'est pas la loi du village de ce bout-là. C'est une bonne question. Je m'en rappelle plus. Ça fait référence à quoi précisément? Je vais être très honnête. Mais pays, en fait, c'est beaucoup plus régional dans ce temps-là. Oui, non, c'est pays, c'est sûr que c'est au sens régional. C'est ça. Okay. Faudrait voir, j'ai oublié, j'ai un blanc, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Fais le dernier, Sam. Oui. Oyez, bon peuple, nous ne vendrons à personne, nous ne refuserons à personne, ni ne retarderons le droit ou la justice. C'est-à-dire, en fait, l'article ne sera pas payant, tu diras pas, ben, donne-moi 20$ pour que je te juge. Ah! Puis en plus, il impose que la justice soit rendue dans un certain délai, là. Parce que justice retardée n'est pas justice. Ouais, tout à fait, exactement. Effectivement. Un baron se fait juger par d'autres barons, dit Caribou. C'est ça? Oui, c'est pair, tout à fait. Un baron ne sera pas traité par un jury de serf. De serf, absolument. Ouais. Okay. Ah, c'est pas fou. 20, on passe au prochain? Oui. C'est un petit clip ici. Oui, c'est important. En fait, les éléments qu'on a vus là, les deux premiers éléments, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'habeas corpus, qui est un concept fondamental des droits fondamentaux dans la loi. Et ça l'est expliqué, c'est encore en anglais. Je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé en français. Il est deux minutes, celui-là. C'est on deux pourra minutes. Le résumer facile après. Habeas corpus ad subjiciendum sounds like one of Hermione's spells. But this Latin phrase, usually shortened to habeas corpus, and sometimes known as the Great Writ, names an important legal principle that protects individual freedom. Habeas corpus literally means you may have the body. Ad subjiciendum means for the purpose of subjecting him or her. The implication is for the purpose of subjecting him or her to examination before a court. Where this principle is upheld, no one, not even the president, monarch, or anyone else in power, can detain someone illegally. Once a writ has been filed, they need to bring the detainee in question, their body, before a court and allow that court to determine whether or not this person can legally be held. If there is no legal case for imprisonment, the prisoner has to be released. The practice goes back as far as the Anglo-Saxon period, but it only formally entered English law in an Act of Parliament in 1679. Habeas corpus ensures that no one is held without charge. That's the idea, anyway, though some countries, such as Britain, which introduced internment for suspected Irish Republican terrorists in 1971, and the USA, in relation to suspected terrorists held in Guantanamo Bay prison camp, have found ways of circumventing this on grounds of national security. Voilà. Donc, c'est l'idée que personne ne peut être détenu sans savoir pourquoi il est détenu, premièrement.
Et il doit, on peut pas juste mettre quelqu'un dans une cellule. Pour être détenu, même avant un jugement, il faut qu'un juge au moins qui se prononce sur sa remise en liberté. Est-ce que l'arrestation avait du sens? Oui, je comprends. Et ben, dans la Magna Carta, on vient synthétiser certains de ces éléments-là qui vont, comme ça a été vu, ça a été vraiment formalisé de façon définitive au 17e siècle. Oui, traverser les époques, puis devenir, de changer de manière d'être formulé. Là. OK, ouais, c'est cool, hein, Chris? Donc, s'agit-il d'un texte universaliste? Donc, je l'ai dit, en réalité, la majeure partie des articles concernent uniquement les barons. Hey, c'est-tu douchebag? Les autres articles... concerne les hommes libres, freemen, c'est-à-dire moins de 45% de la population. Le monde qui servent directement les barons. Monde que les barons ont le plus de chances de rencontrer. Ou peut-être des gens qui sont souvent des gens plus en moyen qui habitent en ville, comme des marchands, les par bourgeois, exemple, les estis ben bourgeois oui, ben, encore. C'est vraiment ce qu'on appelle au Moyen-Âge des bourgeois, c'est approprier la personne qui habite dans le beau. Oh, j'ai jailli! Oui, oui. C'est pas vrai. La notion de consentement... S'il y a une notion de consentement, comme l'affirment les citoyens souverains, elle ne concerne que les barons et s'explique par les rapports féodaux que j'ai expliqués depuis le début. C'est l'idée que le roi règne à partir du consentement de ses vassaux. Ouais. Mais quand les citoyens souverains disent « je ne consente pas à obéir à la loi », ça ne concerne pas les non-barons, ça concerne juste les seigneurs, tu sais. Mettons, l'argument, il était comme accroché sur une corde, là, puis là, t'es en train de faire enlever des doigts, là, puis tu sais, il est vraiment pas accroché, ça va pas bien pour l'argument. Là. Je l'ai dit plus tôt, le concept de liberté ne signifie pas la même chose qu'aujourd'hui dans le texte. Fait que déjà, c'est un autre doigt qui lâche. Ouais, puis il faut rappeler que le texte a été imposé. Dans le plus grand consentement de la liberté des freemen. Et là, sur la question de consentement, je vais lire, là, parce que je vous fais lire depuis le début. Article 12, donc la section sur la taxation. Ni écuage, je vais expliquer, ni écuage ni aide ne peuvent être prélevés dans notre royaume sans son consentement général, sauf s'il s'agit de rançon de notre personne, de l'adoubement de notre fils aîné et une seule fois du mariage de notre fille aînée. Dans ces seuls buts, une aide raisonnable peut être prélevée. Les aides de la ville de Londres doivent être traitées de manière similaire. Un écuage, c'est une taxe spéciale quand tu n'as pas envie de servir dans l'armée. OK. Mettons que toi, tu es un seigneur, puis dis là, ouais, yo, j'ai besoin de ton aide militaire. Ce que tu peux faire si tu n'as pas envie d'y aller, c'est que tu peux donner un montant fixé en argent qui permettra au roi d'embaucher des mercenaires au nombre de troupes que tu aurais fournies. OK. Ça marche encore aujourd'hui. Ça marche encore? Oui, dans la Deuxième Guerre mondiale, on est mieux de rester focus parce que le monde dit t'entendre. OK, excuse, on t'en reparlera. Donc, l'écuage, c'est ça. Parce que l'un des problèmes des seigneurs, c'est que le roi abusait de ce système-là. Parce que l'écuage, c'est pour remplacer un service militaire, mais le roi s'était mis à l'utiliser comme une taxe spéciale, même quand il n'y avait pas de guerre. Ah! Fait que là, il a dit, ouais, non, là, il faut qu'il y ait un consentement général. C'est et pour ce qui est de l'aide, c'est un peu le même principe que tantôt, sauf qu'appliqué au roi. Le roi non plus ne peut pas demander une espèce de taxe spéciale sur tout ce qu'il veut tout le temps. Là, le citoyen souverain, il va voir ça, puis il va dire, sans le consentement général, voilà, c'est fait. Mais là, quand tu vas à l'article 14, pour obtenir le consentement général du royaume concernant l'évaluation d'une aide, sauf dans les trois cadéries ci-dessous ou d'un écuage, nous ferons convoquer individuellement par lettre les archevêques, abbés, comtes et grands barons. J'ai hâte de voir Amoury chercher ça, les shérifs du Donc, Québec. Par consentement général, il ne veut pas dire un référendum. Non. Il veut dire les grands, ce qu'on appelle avec un grand avec un G majuscule au Moyen-Âge, donc les personnages les plus importants. Oh, misère. L'élite mondialiste, c'est ouais. L'élite mondialiste, c'est le consentement général dans ta bullshit. Hey, salut Audrich, merci pour le raid. Donc, on peut continuer? Eh là 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 là. Donnez-y un follow, là, Audrich. Alors là, et là, on arrive à mon dernier élément de ma présentation, qui est le problème de l'article 61. Donc là, il va y avoir de la lecture, fait qu'on va se le diviser en trois, ou en deux, là, je vais commencer, là. Recommence. OK. Arrête-toi quand tu files. Ben, moi, je dis Sam, lis les tops. C'est bon.
Oyez, oyez, bon peuple. Yeah, il est bon, lui. Les barons éliront 25 d'entre eux pour veiller et faire observer de toute leur force la paix et les libertés accordées et confirmées par cette charte. Si hey, nous, notre juge en chef, nos fonctionnaires et l'un de nos serviteurs, offensons de quelque manière que ce soit quiconque ou transgressons l'un des articles de la paix ou de cette garantie, et que l'offense soit portée à la connaissance de quatre des 25 barreaux susmentionnés, ils viendront vers nous ou en notre absence du royaume vers le juge en chef pour déclarer et exiger une réparation immédiate. Ok, je vais continuer là parce que oui. Si nous, ou en notre absence à l'étranger, le juge en chef, nous faisons pas de réparation dans les 40 jours à partir du jour où l'offense nous a été déclarée ou à lui, les quatre barons soumettront la question au reste des 25 barons qui pourront saisir et attaquer de toutes les manières possibles avec le soutien de l'ensemble de la communauté du pays en saisissant nos châteaux, terres, possessions ou tout autre à l'exception de notre propre personne et de celle de la reine et de nos enfants jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la réparation qu'ils ont décidée. Ayant obtenu la réparation, ils pourront alors reprendre leur obéissance normale envers nous. Toute personne qui le souhaite peut prêter serment d'obéir aux ordres des 25 barons pour atteindre ses objectifs et de se joindre à eux pour nous attaquer de toutes ses forces. Nous donnons une autorisation publique et gratuite à toute personne qui le souhaite de prêter ce serment et en aucun cas nous n'empêcherons quiconque de le faire. En effet, nous contraindrons tous nos sujets réticents à le prêter sur notre ordre. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle la clause de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est contenu dans plusieurs... Tout ça, c'est la traduction. Il me semble qu'il est beaucoup plus long que les autres qu'on a vus avant. Oui. OK. Oui. Parfait. Ce qu'on appelle l'article de... C'est quelque chose qui est relativement fréquent dans les traités médiévaux dans un contexte où, encore une fois, il n'y a pas de loi centralisée. Ben oui. Ça veut dire une entente sur qu'est-ce qu'on peut faire si quelqu'un ne respecte pas le contrat. C'est ce qu'on appelle les clauses de sécurité. Voici les conséquences. Voici ce que je t'autorise à faire si moi, je respecte pas le contrat. Et là, dans ce cas-ci, ce que l'article 61 fait, c'est qu'il donne le mandat à un comité de 25 barons élus par les autres barons pour se saisir des propriétés du roi si le roi n'obéit pas au contenu de la charte. Pas se comporte mal et pas fin. On parle vraiment des articles de la charte. Ouais. Donc, les 60 articles précédents. Et qui traitent surtout, on le rappelle, de taxes, de barons, ouais. Puis d'hommes libres. Là. C'est, exactement. C'est... Et donc, pour les souverains, cet article-là, c'est le droit et le given right donné à toute personne de se révolter contre une loi avec laquelle il est en désaccord. Chris, le monde mettait ça dans le shop parce qu'il n'était pas content d'avoir refermé pendant la pandémie. C'est ça. Donc, en gros, c'est une autorisation. Puis, tu sais, la fin est forte. Là. Je dis que si nous ne respectons pas, nous vous encourageons à prêter serment. Ce que ça dit, c'est que si quelqu'un vient voir les barons puis dit « Le roi ne respecte pas l'une de ses ententes », il faut qu'il m'envoie une lettre au roi, dire « Yo, t'as pas respecté ta loi. » Pas cool, le roi. Puis, si dans 40 jours... c'est pas fait, ben là, ils ont le droit, par exemple, à saisir nos châteaux, saisir nos propriétés, mais il a pas le droit de s'en prendre au roi, par contre, ou à sa famille. Mais il peut saisir, par exemple, ses châteaux ou des trucs comme ça. OK, mais je pense que ça doit être quand même assez difficile de prendre le château d'un roi. On attend qu'il parte du château avant voilà, de le prendre. Genre, c'est ça. On se donne mais chance. De toute façon, il n'est pas tout le temps là ouais, dans tous ses châteaux. Là. Voilà. Ben oui, pourquoi qu'il y en aurait juste un, effectivement, grave erreur. Il y a tout un processus à respecter, là. Ouais. Faut envoyer une lettre, faut attendre 40 jours, faut s'adresser à 4 des 25, sinon à d'autres mondes, machin. Ouais. Tu sais, c'est pas automatique c'est... que « telle loi me fait chier, je me révolte. » Premièrement, c'est si le roi n'a pas une loi, mais un des articles de la charte, c'est pas n'importe quoi, c'est que les barons qui prennent cette décision-là, le conseil des 25 barons, et c'est des enjeux qui concernent les barons ou, dans certains cas, les hommes libres. Et ça, je pense que c'est quand même assez important, ça, cet aspect-là, là, de que c'est les barons, puis c'est pas vrai que c'est tout le monde, non. C'est pas vrai. Non. C'est... Fait que si, mettons, toi, en 2023, c'est important pour toi la Magna Carta, article 61,
ben, t'es en train de changer la définition de cette loi-là. Donc, elle peut changer. Ouais. Et ça démontre qu'elle a changé depuis. C'est ça. Fait que c'est un catch-22, là. Tu peux pas... C'est impossible, là. C'est ton argument logique fit pas. C'est peut-être là que Régis est meilleur que les autres. Ah, peut-être. Et l'article, on l'a amplement dit, l'article 61 a duré à peu près 3 mois avant qu'elle soit rejetée par le roi, hey, par le pape. Trois mois, c'est... en temps médiéval, là, de nos jours, 3 mois, c'est là, pas long. Hey, c'est un tweet de James Gunn, ouais, man, ça dure vraiment pas longtemps, ça s'efface tantôt. Là. Non, exactement, parce qu'il faut que le temps, il faut que la lettre se rende à Rome. Il se promène en cheval, sti. Ouais, c'est long, là. Ouais. C'est loin, Rome, là. T'es en chose, là. Ouais. Aïe, aïe. Fait que c'est ça. Puis donc, l'article n'a jamais été appliqué, en fait. Il n'y a jamais eu le comité des 25 qui a été nommé. Ah, oh, misère! Ben oui, c'est vrai! Pathétique! Oh. Ah, là, l'argument accroché sur la corde, ouais, c'est tombé, fini. Là, c'est ouais, fini. C'est là, comme le raton laveur. Dans... Oui, effectivement, c'est vrai, Carl. C'est vrai. C'est on peut continuer. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir, Maxime. Picorage, c'est le mot que j'ai trouvé sur l'OQLF. Picorage, c'est le français pour cherry picking. Ah! C'est très bien picoré. Ouais, ouais. C'est picorage. Un mot tout à fait témiscamien. En ouais. Jeu, j'aime ça. Puis en plus, on peut faire des verbes avec ça. Picoré. Ouais. Ouais. Merci, français. Je dis pas ça souvent. Donc là, j'ai mis le texte là, qu'on voyait tantôt. Là. I do not consent. Cette administration est sous le pouvoir de la juridiction de la common law, ce qui veut rien dire. C'est vrai. En tant que propriétaire, on exerce notre droit à avoir un revenu. Bon, ça, c'est une autre histoire. Sous l'article 61 de la Magna Carta de 1215, nous avons le droit de je sais pas comment dire ça en français. Ouais, dissension. Le droit à la dissension. Si nous sentons que le gouvernement est injuste, c'est pas ça qu'il dit du tout. Il n'y a jamais la question d'injustice qui est mentionnée. Puis c'est pas toi qui est le barème de si on file. Non, non, c'est ça. Sacrément. Et contrairement à la croyance populaire, nos souverains et leur gouvernement ne sont seulement que là pour nous gouverner. Pas pour nous diriger, pour nous gouverner. Alors que c'est pas du tout quelque chose qui est contenu dans la charte. Là. Non. T'as des libertés à cause de la charte, là. T'es pas une petite victime. Non, là, c'est ça. Et c'est drôle parce que c'était dans le haut en gauche, là, l'espèce d'emblème que je reconnais pas, mais c'est écrit Free Man. Bon, Pourquoi pas? Donc, je l'ai dit, l'article 61, la principale cause du rejet de la Magna Carta par Jean et le pape. Ben, on a vu, c'était écrit tout croche aussi. C'était sûr que c'était pour être du chiot tout le temps. Oui, c'est ça. Ben, ouais. Oui, c'est un processus extrêmement complexe. Puis, je suis pas contre l'idée que le roi, il faut qu'il soit des fois remis en question, puis qu'il peut avoir un ombudsman ou un processus de plainte. Mais de là, tu sais, s'il y en a un, il chiale, ben là, hey, voyons donc. L'article disparaît définitivement dans la nouvelle version de 1216. Il ne concerne uniquement que les barons. Il ne peut être activé que par une décision des 25. Il n'est jamais question de rébellion, mais de réparation. Ça, c'est important au Moyen-Âge, le concept de réparation. C'est-à-dire que si moi, je suis un seigneur, t'es mon suzerain, puis t'es roi, puis tu me fais chier, t'as fait... À la chasse avec mon fils, mon fils... blessé ma femme. C'est ça, ben là... T'as blessé mon fils à la chasse, je peux exiger une réparation. Voilà. Et c'est pas vraiment un concept légal... Oui, c'est un concept légal, mais d'une très ancienne... tradition. Très ancienne tradition. Puis c'est ça que ça concerne. Tu sais, quand on dit saisir le château, ben oui. C'est l'idée d'une réparation, c'est-à-dire que de quelque chose d'une valeur équivalente à l'offense. C'est t'sais. ça. C'est pas parce que, mettons, je comprends. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit, il s'agit d'une clause de sécurité portant exclusivement sur le contenu de la charte et non c'est pas sur... C'est pas si il a abîmé mon fils. Là, c'est des affaires de taxes. C'est ça. C'est des affaires de taxes. C'est les affaires qui sont écrites dans la charte. Là. Ouais. C'est un blason, là. C'est un pingouin puis un pélican. J'ai aucune idée. C'est des... tu sais, les oiseaux vraiment cute avec des becs colorés qu'il y a en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Puffins. Je sais pas c'est quoi en français. Ah oui, les... Macareux. Mais il y en a, je pense, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Okay. Je suis pas sûr. Donc, voilà.
Voilà, c'était ça. Chris, wow, la très bonne job. Oui. Tu sais que j'aime ça. Bonne main d'applaudissement, Maxime. Merci. J'adore ça. Ben oui, j'adore ça. J'espère que vous avez apprécié. Je trouve le médium, tout se porte super bien. On a découvert aussi les. C'est quoi, les confessionnals de l'histoire, c'est ça? Confessions d'histoire. Je vous invite à l'écouter. C'est très bon. Et aussi, on merci. Je vous invite à Mune 4. Suivre Mune 4. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais, ça a été, comme d'habitude, les conspis, les citoyens souverains, tout ça, sont toujours dans le champ interpréter leurs affaires tout croche. On a senti peut-être plus que jamais l'effet picorage. Là. Ouais. J'ai beaucoup aimé qu'on remette tout en chronologie la législation d'Europe. Je veux dire, quelqu'un qui croit aux théories de citoyens souverains, puis que là, tu sais, ça vient du fait qu'il y avait des tribulations en Europe de l'Ouest, qu'à un moment donné, il y a un souverain qui a été pris entre deux feux, qui a été obligé d'écouter son... Tu sais, je trouve que c'est pas mal plus comme profond, humain, explicable, avec une portée historique, avec des legs intéressants. Le concept dont on peut plus emprisonner arbitrairement n'importe qui. C'est tout à fait un Je veux ça. Ouais, oui. Tant mieux que la Magna Carta puis la loi commune aient existé. Les procès devant jury. Oui, effectivement. Il y a eu un constat qui est revenu souvent vers la fin, Mion 4 l'a dit, mais les lois existent, mais ils changent, puis ils sont remplacés, puis ils évoluent, tu sais. Puis tant mieux, parce qu'à cette heure, on a des lois de stationnement de char, on n'a plus des lois de tout protection de cheval, puis de chariot, tu sais. Il fallait, là, à un moment donné. Puis je trouve aussi que, pour m'en pitcher à moi, là, mais tantôt, quand on a vu qu'eux autres, ils... Tu sais que ça a duré 3 mois, c'est comme un texte religieux, là, ouais, madame l'a récité, puis tout, mais c'est une loi de v'là 800 ans, sacrement, ça sert à rien. C'est moins utile comme information que de savoir c'était quoi le premier trio du Canadien en 1936. Puis c'est inutile en esti, là, de savoir qui le premier trio du Canadien en 1936. Ah ben, hey, en tout cas, ben merci beaucoup, Maxime. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Ben oui, puis moi, je trouve que ça jette un éclairage à notre système juridique et légal actuel. Oui, on est les héritiers. Ben, c'était mon point du début, c'est qu'on dit tout le temps on est les héritiers de l'Antiquité. Mais en fait, la majeure partie de nos institutions viennent du Moyen-Âge. Les universités viennent du Moyen-Âge. Puis c'est intéressant parce que la naissance de la construction du droit, comme ça, ce qu'on a vu, se fait de pair avec la naissance des universités, parce que les deux premières disciplines enseignées dans les universités, c'est la théologie puis le droit. Puis le droit, ben oui, ils font la paix, c'est les deux. C'est les deux comme dirigeants de l'époque, fait que c'est basé sur la politique. Puis les rois, quand, parce qu'on l'a vu, les rois, peu à peu, ont centralisé leur pouvoir. Ben oui. Puis c'était le cas partout en Europe. T'sais, à la fin du Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle maintenant, les historiens appellent des monarchies féodales. C'est-à-dire, il y a encore un concept de féodalité, mais de fait, c'est le roi est rendu un État. Il est rendu avec un État autour du roi, avec une administration qui contrôle la majeure partie du territoire. Oui, il y a encore des gens qui lui sont soumis un peu partout, mais c'est lui qui possède en propre la totalité. C'est à peu près ça. Puis ces gens-là vont s'entourer des gens qui sont issus des nouvelles universités qui viennent de popper construire un droit progressivement. Est-ce qu'on pourrait dire que par cette centralisation-là du pouvoir, il est venu un besoin de check and balance, de contrôle du pouvoir? Clairement, c'est comme ça qu'est né l'État moderne. Okay. Parce que tu pouvais, comme mettons, on va donner l'exemple de la Révolution française. La Révolution française marque quasiment l'aboutissement de tout ça. Je recommence. À la fin du Moyen-Âge, la plupart des monarchies tendent vers un centralisme de plus en plus important. Et vers des abus. Et des abus, exactement. Et ça devient, notamment en France, de plus en plus intenable. Après ça, il y a eu diverses solutions. En Angleterre, ils ont trouvé une solution un peu entre les deux, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Okay. C'est-à-dire on garde le roi, mais il va avoir un parlement qui va... pour les enjeux importants qu'il va garder. Puis peu à peu, la monarchie britannique a perdu du pouvoir. La monarchie britannique a perdu ses derniers réels pouvoirs dans les années, 30-40, 1930-40. Okay. Mais ça s'est fait progressivement. En France, on a opté pour la guillotine. Ils n'ont pas allé progressivement. C'est un peu drastique. C'est ça. Ben semi, parce que ça a été guerre civile par-dessus guerre civile.
Après ça, le Saint-Empire romain germanique s'est effondré, puis tu as eu plein de petits États qui ont popé avec des monarchies plus ou moins autoritaires. C'est vrai qu'à partir de la frontière est de la France, j'ai l'impression que je connais pas mal moins. Genre la Prusse, ouais, je sais que ça existait, mais je connais pas l'histoire. Le processus était similaire, sauf que le problème, c'est que l'Empire, Saint-Empire romain germanique, il était beaucoup plus décentralisé. Donc, tu avais un empereur. Tu pouvais te lever le matin, puis si, il y a un souverain dans ta chambre. Non, mais tu pouvais avoir, par exemple, une cité-état indépendante, là, un petit comté, une grosse principauté. Ouais, ouais. C'était beaucoup plus... La map qu'on avait tantôt aurait été plus de petits spots partout. Ouais. Non, mais si jamais tu peux la montrer, éventuellement, là, une carte du Saint-Empire romain germanique dans le Moyen-Âge, là, c'est... C'en est presque drôle. C'en es-tu une que tu m'avais... Non, j'en ai pas, mais si... Ben, on checkera ça pour une autre fois. Merci de m'avoir écouté, les amis. Avec grand plaisir. Max, la prise vous sur... Vous pouvez me suivre sur X, Twitter, le temps que ça va durer. La prise Maxime. J'ai de plus en plus envie de crisser mon ouais, c'est ça. Je publie toujours des textes dans Pivot. Oui, effectivement. Et je passe occasionnellement à la balado de Fred Savard. Et sinon, ben, je vais avoir ma thèse que je vais déposer éventuellement. Je vous montrerai ça. Bonne chance là-dessus, mon chum. Cool. Avant de couper ça pour aller vers une petite pause de finir l'aventure, as choisi une toune. C'est quoi? Ah oui, excuse. Je lisais tout de suite Max. Là. L'état moderne est surtout la conséquence de la naissance de l'artillerie. Ah oui, ben voilà. tout à fait. Devine qui a écrit ça. Sur les canons des rois de France, à la fin de l'époque moderne, il y avait un slogan qui était écrit sur les canons et c'était écrit « Le dernier argument des rois ». Oh, c'est bon! Mais à cette heure, le dernier argument des rois serait peut-être des missiles, mon cher Stéphane Roussel. Ou Taïos. Peut-être un satellite. Peut-être... Des drones, ouais, les drones. Ben oui. Donc la toune, moi je suis un fan de chants de marin. J'ai été cadet de la marine quand j'étais plus jeune. Des chantises, c'est que j'adore ça. J'étais cadet de la marine plus jeune. Et oui, avant de faire un sale gauchiste, j'ai été jusqu'à 19 ans dans les cadets de la marine. Et j'aimais beaucoup, mais j'ai toujours... Il y a plein de choses que ça m'a apporté, mais notamment un goût pour les traditions maritimes. Puis j'ai développé un goût pour les chants de marin. C'est une grande culture canadienne, notamment. Et la toune qu'on va entendre, notamment, c'est un grand compositeur canadien qui s'appelle Roger Stan... rappelle-moi son nom, j'ai un blanc. Stan Rogers. Stan Rogers, qui est un grand musicien qui lui, écrivait de la musique inspirée des chants de marin. Ah, c'est dommage. Et il est mort dans un écrasement d'avion en sauvant la vie de quelqu'un. Oh. Mais il est devenu, surtout dans le Canada anglais, c'est devenu un grand nom. La chanson qu'on va entendre est considérée aussi comme l'hymne officieux de la marine canadienne. Oh, c'est cute. Parce que la vraie... Ouais, voilà. La version de Stan Rogers, donc, on vient... C'est la marine royale canadienne, ouais. Puis ouais, Stephen Harper. Et y a quelqu'un, parce qu'on voit un clip, ça vient d'un documentaire où il chante avec une gang de gars, puis il y a quelqu'un dans les commentaires sur YouTube qui dit « Pour moi, c'est ça que ça ressemble de la masculinité non toxique. » Ah, c'est donc bien cute. Merci Maxime. Merci. Encore de l'autre côté de tout ça. Là, j'ai mis un petit clip. On y revient. C'est l'addendum au Mercronspi 158, la petite sauce. Merci Maxime.